Ouais, t'as enregistré, il faudra que j'aille sur la vocale Discord direct. Oui, j'ai vu que tu parlais de vote, tu as raison, hein, c'est un jour d'élection européenne. Oh mon Dieu! J'ai pas vu, j'ai 1 milliard de messages que vous m'avez laissés. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous mettre le tableau de mystère. Le temps que je prenne connaissance de ce que vous m'avez écrit, c'est peut-être urgent. Dans le chat, tu m'écris quoi, Balivania? Ça va, je reviens juste du vote. Par contre, je viens de voir que mon casque, le côté droit, fonctionne plus. Ah merde. Ouais, les avaries techniques, c'est pas cool. Ouais, si ton casque est en train de mourir ou qu'il y a un faux contact pour la stéréo, ça la fout mal. En espérant que ton casque soit éventuellement démontable, je dis bien éventuellement, c'est loin d'être le cas de tous les modèles. Alors attends, l'alchimie de Minecraft, je vais ranger ça de mon bureau, voilà, dans mon groupe de documents de jeu. Minute papillon, je vois que vous m'avez écrit dans le Discord. J'arrive. Attendez, je vous lis parce que c'est important. Oui, c'est bien, Nayonet, tu t'es mis dans le direct. J'arrive, j'arrive. Tac, 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 tac. Ok. Nous sommes d'accord. Ok, merci pour les infos, les copains. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur tout ce que vous m'avez dit. Nos violons sont accordés. Ah ouais, d'accord. Il faut mettre à jour avant de jouer. Alors, je vais. Alors, je vous laisse encore un petit peu. Attendez, je vais vous mettre la musique d'arrière-plan. Je vous laisse vous amuser au tableau Nayone a mystère. dit de la version Ah 8.6 vers ouais! On passe à 8.9. pas mal de sous-versions là. D'accord, merci pour l'info technique. Ah bah je vais me mettre à jour avant de lancer le jeu. Attendez, je vais passer par ce navigateur là. C'est quand même pratique de pouvoir jongler sur différents navigateurs. Parce que quand on a tendance à ouvrir 50 onglets simultanément comme moi et exploser la mémoire de l'ordi, c'est bien de faire un semblant de tri. D'ailleurs, je crois que je suis jamais allé sur leur site. Oh, c'est bien. D'accord. Ok. Alors, ça c'est fait. Par principe, je vais mouliner le programme téléchargé, c'est-à-dire que mouliner, je vais le passer en inspection antivirale. Normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est une question de réflexe de principe en informatique. Voilà, il me dit que zéro menace a été trouvée. Donc je peux y aller. Alors, tac, tac. La 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 la. Alors je suis la manip là et puis après je me connecte à la vocale. Oh la vache, comment qu'ils ont bien. Ils ont bien bossé le programme quand même. Punaise. Alors d'accord, il va dans un répertoire temporaire, mais est-ce qu'il a détecté où est mon jeu? Ah oui, c'est bien, il a retrouvé le chemin dans la clé de la base d'enregistrement Windows. Bravo, bravo, c'est du bon travail. C'est tellement du bon travail qu'il faudra que je range l'exécutable de mise à jour dans le dossier de jeu. Alors, le disque dur réservé au jeu. Partition jeu, c'est dans Command and Conquer. Dans Generals. Parce que c'est ça qui est beau. Ah, tiens, c'est marrant. Alors, tu vois, moi, je l'ai passé à la moulinette du Windows, qui est Windows Defender, il m'a dit aucun problème.
D'ailleurs, je pourrais même m'amuser, je ne l'ai pas fait, j'ai mon deuxième antivirus qui est le fameux Malbit anti-malware que je vous recommande. Hein. Je ne suis pas sponsorisé, hein, ce n'est pas un accord commercial, mais c'est d'expérience professionnelle et personnelle. Le Malbit anti-malware, c'est un excellent débusqueur de merde. Tout ce qui est virus et cochonneries assimilées. Attendez voir. Ah tiens, Mayonnaise a dit, je vais faire un tour sur Minecraft en t'attendant. Tiens, merde, je crois que je l'avais dans le... Attendez, je vais ressortir le... Hop. Si je fais ça... Ah, j'ai pas le droit. Oh bah merde alors. Oui, ce serait pas mal que je fasse ça, mais... Ouais, mais c'est pas le moment de le faire, je suis en direct. Je vais faire ramener l'ordi si je lui dis de faire un... Ouais, je sais pas, je prends le risque. Mais si ça sature... Si vous remarquez que mon direct, il saccade, l'ordi est en sueur, panique, faudra pas hésiter à me le dire et puis je mettrai en pause mon truc antiviral. Mais non, reviens Noyonnais. Je viens de mettre à jour, je vais lancer, arrête, au secours. Pars pas sur le monde cubique. Non, il ne l'est pas. Ah non, j'ai rien dit, moi ça va, juste que j'ai pas beaucoup dormi. Ah, t'as 3 heures de sommeil, Balivania, merde. Et tu as éventuellement la possibilité de réparer ton casque. Alors je t'invite à ne pas opérer ton casque, Balivania. Avec autant... Enfin, avec un tel manque de sommeil, on peut faire, excuse-moi, que des âneries en n'ayant que 3 heures de sommeil dans le pif. Attends d'être un jour où t'as bien dormi pour pas bousiller ton casque Mayonnaise et l'achever a dit, accidentellement. T'inquiétez pas, je suis prêt malgré et tout. Souriant avec bouche ouverte et yorieur. Oui, la vocale. Faut que je retourne dans la vocale. Minute. On va y arriver. Alors attendez, je vais couper la musique de fond, d'arrière-plan, puisque le jeu a évidemment son propre son. Je vais aussi mettre le bon plan, ça peut aider. Éventuellement, je vais vous partager avec vous l'image du jeu. C'est pas comme si c'était le principe dans Twitch. Ah oui, merde, j'ai... Non ! Ah ! Je l'ai lancé en mode solo, c'est d'abord lancé Game Ranger. Mais quelle naze ! Ah, puis j'avais dit que je remettais ma webcam. J'ai pas encore fait le montage, attendez. J'ai tout. Comme un dimanche. La. Sous vos applaudissements. Ah là là, le regretté Jacques Martin. Aïe. Nos forces victorieuses sont en train de libérer. Protégez-vous, je vous plaît. Oh là là. Attends. L'autre, il me dit, mon truc est pas compatible. Oui, mais attends. Il faudra peut-être que je lance la bonne version d'abord. Il y a erreur sur le choix de l'exécutable, le poil au nez. Alors, rétablissement de ma tronche en direct, c'est-à-dire je restaure la webcam. Ah, j'avais vu des choses, c'est scandaleux. Vous avez vu un bordel. Vous n'auriez jamais dû voir. Alors, déjà, si je mets le bon plan, ça va peut-être aider. Coucou. La doucement. Parce que j'ai bricolé mon truc, comme vous le savez, hein, je vous avais diffusé la photo sur le Discord. Donc, faut pas que je donne des beignes ou des coups de coude. Tout le monde va se casser la figure. Je suis pas cadré. Je suis pas bien cadré. Je suis mieux cadré, mais mon truc est en train de se démonter parce que le poids est limite. Alors, est-ce que vous voyez ma frimousse convenablement bien cadrée? Non, alors, j'essaie d'éviter de... Voilà.
que je reste dans le cadre de mon fond parce que j'ai vraiment honte de ce que j'ai chez moi en toute dégueulasserie là. En totale dégueulasserie chez le sage de Nancy. Tout va bien. Vous n'avez rien entendu. Quoi? L'analyse est terminée en 2 minutes. Hein? Non, il y a dû y avoir un bug là. Ah non, le programme est sérieux? C'est pas grave, je reverrai une autre fois, mais... c'est en 2 heures qu'il aurait pu faire le boulot, pas en 2 minutes. Oui, attendez, j'arrive sur la vocale, merci de l'invitation, Nayonet. On ne panique pas, on reprend le contrôle de sa chaîne. Ah, il y a Jack, il est là aussi. Bye les copains! Bonjour! Bonjour, c'est rigolo la sonnette, attends, je recommence. Oui, j'allais dire. C'est honteux ce harcèlement. Tiens d'ailleurs. Encore une fois, allez. Ouais. Et moi, je vais faire un son parce que je l'aime bien. Attention, je préviens. Dans le soundboard, le tableau de contrôle des sons, c'est celui-là. Mais espèce de trou nounouf, va te faire un papa ou t'es, toi. Et moi, je dis à. Et je dis, est-ce que tu as goûté une petite. Ce midi? Alors, non. Pas le midi, par contre j'en ai savouré une hier, c'était une desperado à la tequila. Ma webcam a sauté. Merdoum. Ah bah j'en demande 3 à l'ordi, donc il s'est mis en chômage. Oh, c'est une bonne image fixe, là je trouve que c'est cool. Bon bah on va la garder. Oh merde, je me tue à mettre en place le truc et puis c'est cassé. Bon, au bref. Point où t'en es, je crois que tu veux mettre des photos d'identité carrément. Ouais, c'est ça, je vais faire un diaporama. Comme disait une scène, je vais faire un diaporama où j'ai toutes mes perruques qui défilent de suite comme un ego. Mais c'est vraiment à faire, hein, parce que j'ai tellement fait l'idiot que. Il y a de quoi faire. Et puis ça fera. Il est un PLS, 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 comme les autres. Exactement. En 5 ou 6 lettres le mot de passe? 5. Ah d'accord, c'est celui-là que t'as choisi. Je dirais 12. Bon, l'autre. 5 et 7, ça fait 12. Nye. Oui. Non, j'ai cliqué, il fallait pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai lancé le navigateur avec le retour Twitch, le truc qui va faire planter mon ordi parce que je demande truc. Alors Balivania me disait... Enfin, ça va, mon casque sans moi, il n'y a pas les yeux en face des trous, la prise était simplement mal branchée, d'accord. Oh, la vue au gros plan, le beau gosse. Oh. Et là, c'est la minute de vérité. On va essayer. Vous êtes prêts? Bah oui, j'en ai envie de te répondre, on est condamné à être prêts, oui. Allez. Ok. Eh ben, on est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui met des arguments? Bon, je laisse. J'espère que c'est... Ah, j'ai oublié de mettre le... Bon, j'espère qu'il va pas me faire des saloperies. Et là, on a un message discriminatoire, une sous-fenêtre. Les Nancéens devront payer plus cher. D'accord, alors, je suis pas Nancéen. Est-ce que vous avez bien mis tous les deux qui gênent tout la jour? Bah, je l'ai fait à l'instant. J'ai suivi tes recommandations, j'ai déployé l'exécutable, ça s'est bien passé. D'accord. Et j'ai la version 0.9. La sous-version toute dernière. Alors, s'il vous plaît, monsieur... Voilà, alors vous pouvez rejoindre la partie si j'arrive... Attends, mais c'est chiant ça. Vous pouvez rejoindre la partie... Vous pouvez pas créer un game. Voilà, c'est bon. Ah, là. Attends, je suis obligé de faire joint ou c'est automatique? Non, c'est automatique. Ouvrez la caméra. Et t'as pas le plan sur le bon plan sur la. Ah, c'est ma tronche qu'on voit, pardon. Je crois. Dans quelques instants, la suite de votre programme. Je peux savoir pourquoi rien ne se lance? Il se lance rien. Ah, non, moi j'ai rien. Et va sur la barre de tâches, il y a Command & Conquer qui est lancé. Bah, c'est le menu. Je peux le virer. Bah, on voit pas ce que tu vois. Ah, ça, faut virer, oui. Ça, faut fermer. Il y a rien. Cliquez sur Game Ranger pour voir, enfin, le sage. Ouais, Game Ranger. Il y a rien qui se passe.
Oui, il se passe rien pour AJ non plus, comme il le dit. Il va marquer Join, si vous cliquez sur Join dans la fenêtre de salle, dans la salle Game Ranger. Alors, tu sauras que j'ai plus le bouton. C'est toi qui l'as, okay. Pas moi. Ok, bah alors je vais te laisser, je vais te passer lead le sage et tu vas héberger. Chez le baja, chez le boxeur, chez le bordel. Vas-y, c'est toi le chef, le sage. Alors c'est bon, tu nous as rejoint, tout le monde est prêt. Alors là, j'ai start. Vas-y. Ready for action. Steam, vous avez l'action Abandonware. Alors... Oui, toujours. C'est un jeu qui se mérite, qui vient de me faire un caca nerveux. Oui, donc il faut recommencer. Là, c'est une histoire de résolution. La résolution. La semaine dernière, il y a deux semaines, ça avait marché, mais j'étais à PRL. Donc là, si on sonne, j'ouvre pas. Hein. Je fais l'autiste. Attendez, moi, je crois savoir ce que j'ai merdé. Je crois savoir ce que j'ai merdé. Si je fais ça, je pense qu'il sera plus compliqué. On arrivait à jouer à 4 sans problème. Je sais pas ce qui se passe. Ah merde, ça m'a plu. J'ai l'impression qu'il épousait la résolution de mon écran et pendant une demi-seconde et puis il a fait un caca. On recommence. On recommence encore. C'est que le début, d'accord. Tum, tum. Et on vient de sonner. C'était chez Nayone. Il va encore nous abandonner. Alors, bougez la souris, le sage. Bougez la souris. Oui, chef. Oui, commandant. C'est merveilleux, on va pouvoir jouer. Non, charger, n'importe quoi, moi. J'ai toujours le bon goût de cliquer une fois là où il faut pas. C'est merveilleux, quand même. Vous êtes où, les copains? Je vous vois pas. J'arrive, je lance le jeu. Caché ou pas caché, j'arrive. Référence à la production de Soft the Storm de Blizzard. Yeah. J'ai déjà Michel Beaujolais. Eh oui, le petit AJ, il a de la bouteille. C'est pour ça qu'il s'appelle ainsi sur les réseaux. Pourquoi je vous vois pas, nom de Zeus? Pourquoi je ne vous vois pas? Ah bah, c'est toi qui es le meilleur organisateur du truc et c'est toi qui l'as exclu, c'est moche. Bon, bah, je vais relancer le jeu, on va retourner le player, machin, petit joueur. Je sais même pas quel clan je vais rejoindre. C'est tellement génial de... Il y a tellement de choix dans les clans et c'est rigolo comme tout. Qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps, moi? La toxine GLA, je crois. Allez, jeu de vie, là. Ok, alors il faut que je mette le crack, comme c'est la version de l'abandonware, qui est incompatible. La 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 la, je vois le petit Edge qui choisit. Oh, infanterie de Chine. Ding 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 ding. J'aime bien démarrer en bas des cartes, moi. Là, tu envoies des codes secrets, des combinaisons de codes secrets. Là, vous devinez que je me défoule sur le pavé numérique du clavier, à l'aveugle. Anecdote de mon séjour au Havre. Ah! Attention. Ouh, je sens que tu vas balancer du lourd. Mercredi ou jeudi? Déjà, on a fait tellement de trucs, je ne sais même plus associer les événements au jour. Waouh! Bref. Je vais faire un laser game. Et bon, chacun de nous avons choisi un nom, un pseudonyme en fait, d'alcool. Ouf! C'est très drôle. Moi, fidèle à moi-même, j'ai choisi évidemment Beaujolais. Est-ce que tu peux me virer de la partie, s'il te plaît, le sage? Ah. Sinon, je ne peux pas rentrer. C'est bon? C'est bon. Le sage n'a rien vu.
C'est bon, ça marche. Oui, donc pardon, tu t'es fait appeler Beaujolais en nom de code, d'accord, et ensuite? Oui. Alors, faut juste que je retrouve. J'ai pas retenu tous les noms. En fait, j'ai le récapitulatif des scores. Et c'est là-dessus que je vais avoir les noms. Oh. On était 7 et on a fait un 4 contre 3. Mmh. C'est ça. Et j'ai du coup sur les. Au niveau des scores, sur les 7, j'ai terminé 5e. Mmh. Donc moi, Beaujolais, il y avait Jet 27, mmh. Rum, Binouze, Cointreau, Jaeger, Ricard. Oh la vache. Ouais, c'est et c'est Ricard qui a gagné. Eh ben dis donc. Alors, je me mets ici. Mmh. Ouais, je me mets là. Ouf. Oh non, je vais mettre là. Hop là, c'est changé d'avis, voilà. Il devrait pouvoir. Ouais, parce que si t'es à côté du moyen, il vaut mieux être à côté du facile. Ouais, ouais. Non, je vais être à côté du moyen, ça vous protégera. Mmh. Mais le 4. Ah non, le 4, c'est le 3 en fait qui est le 5 qui est le. Alors le numéro 5 est facile, le numéro 4 okay, est moyen. Ok, ouais. Oui, oui, j'ai mal compté, excusez-moi. Et je vais prendre le bleu. Comme ça, ça fait RGB. Oui. Bon, accepté, bah... excusez-moi, je n'ai pas accepté. Ouais, quand vous êtes on plus que Michel Beaujolais et on va voir si ça marche. Je sais pas si j'ai envie d'accepter. Oh l'autre. Bah, on peut attendre. Que le. Et non, ça marche pas, pourquoi? Mais je vais finir par installer la version abandonware, hein. C'est tout. Hein. Je suis avec ton général Pain. C'est entre moi et le sage que ça passe pas quand. Mais taisez-vous, c'est pas la télévision française. Je vais aller chercher, mais en plus il est plus disponible la bandeware si je l'ai gardé sur disque dur. Mm. Bah au pire moi je pourrais te le refourguer parce que j'ai la chance d'avoir la version originale en boîte. Non mais j'ai la version originale en boîte aussi. Bon, je l'ai aussi, j'ai compté la bandeware. Mais voilà, donc ça marche pas, je vais vous laisser. Oula. Il y a quelqu'un qui est venu dans la partie. Bonjour. C'est une partie exprès comme un conquérant, mais bon. Bonjour, Dragon. Bonjour. Alors, ouais, ça a mis du temps à charger. Attention, Dragon, on est en discussion technique, parce que là, on est en direct et on essaie de rejouer en multijoueur à Command & Conquer, et c'est fastidieux, il y a une mise à jour, elle est pas top, visiblement. Ouais, pas de soucis. Non, mais c'est bon, j'ai passé, ça marche pas, j'ai été viré. Bon, bah, je voulais jouer tous les deux, et Jay, le sage. Je vais installer la version en bandeur, et pendant ce temps-là... D'accord. Je vous laisse jouer tranquillement, donc je vous laisse héberger une nouvelle partie ou continuer sur cette partie, je sais pas. Non, on peut pas la continuer, il m'a claqué à portonner le machin, ça fait plaisir. On va retourner sur Game Ranger et repartir de zéro. Ouais, ah, parce que ça t'a viré toi aussi, Edge ? Oui. Ouais, je vais installer la version abandonware, c'est parti. Oh là là, ma zut. Alors, c'est reparti pour un tour. 3, 2, 1, 0. Je vais jouer tous les deux, hein. C'est bon. Voilà. Ouais. Je rejoindrai la prochaine partie. Oui, la cam est figée, je suis désolé. C'est ce que je disais, voilà. Oui, tu viens, merci. Mais tu vois, je l'ai branché, je l'ai cadré. Elle a tenu tout le nombre de charges et Pfff a dit non, va te faire voir, je veux pas gérer un USB de plus. Et quick. Bon, il y en a qui me disaient que je présentais bien dans l'image figée, alors je vais m'en contenter. Hein. On va d'abord désinstaller Gen Tool. Pour voir l'évolution de chez Torota, c'est oui, impressionnant. Tu peux. Ça a bougé un peu partout dans Minecraft. Ça a bougé chez Torota, ça a bougé chez Petit Seb, ça a bougé chez oui, moi. Oui, mais par contre, là j'étais en visite chez Torota et franchement, c'est du génie ce qu'il a fait.
Hein. Non, mais c'est un pur génie, Torota. Il est extraordinaire. Bah alors? Ah, il faut vraiment beaucoup bouger la souris. Parce que je voyais des coffres sous mes pieds sur un parterre de verre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce délire? Alors, une figure de style. Et je me suis dit, mais attends, je fais comment pour y accéder? J'étais en train de réfléchir et puis je voyais qu'il y avait un passage. Je me suis dit, ah, c'est peut-être là. Et puis je me suis dit, ah, d'accord. Bah, j'ai rien fouillé dans les coffres, hein. J'ai juste regardé où ça ramenait. Oui, non, juste un petit passage. On te fait confiance. Bon, allez, comme Nayone n'est pas là, on va se mettre que des faciles hein, parce qu'on n'est pas doué. Oui. Comme vous voulez. Voilà, 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 voilà. Voilà, les ennemis vont démarrer. Message de Torota 77. Tu verras le génie le sage quand tu y retourneras, Elul. Bah, je demande surtout à trouver la lampe, la frotter et faire 3 vœux. Il va bosser pour moi, le génie. Ah oui, j'en doute pas. Non, mais c'est bien. Je suis heureux de me dire que ça va motiver tout le monde l'arrivée d'une de la nouvelle version. Et le fait que même moi, je m'y remette de manière un peu plus enthousiaste là, ces derniers temps, je suis dans ma période Minecraft, ça veut dire qu'il va y avoir une tripotée d'épisodes en direct de Minecraft. Et j'adore. Vous savez que ça fait mon bonheur, que Minecraft est mon jeu favori, je ne vous l'apprends pas. Et voilà, c'est le plaisir de la vie de se dire, on sait qu'on va passer un bon moment dans le futur. Et on attend la... Là, ça y est, t'es monté prêt. Le fait de savoir qu'un bon moment va arriver, c'est délicieux. J'avais un de mes premiers supérieurs au boulot qui me l'avait avoué, qui m'avait dit « J'adore être la veille des vacances. » Et la dernière journée de boulot, il était toujours, pas hilar, j'exagère, mais il affichait toujours un large sourire en disant « Ce soir, je quitte le boulot et je reste en famille pendant 10 jours. » Je le comprends, hein, c'est très humain. Ah oui, je veux le bonus général Marauder. Alors le Marauder, ça veut dire que je vais pouvoir récolter les pièces détachées des ennemis que j'aurai abattus et je vais me rafistoler des meilleures versions d'engins de guerre. Et j'aime beaucoup ce bonus. C'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Allez-y. Oui, alors merci, genre, oui, tu voulais dire, pardon. Je peux l'acheter que sur Abandon. Je peux pas l'acheter sur. Enfin, je peux pas l'avoir sur Abandonware. Ah, alors, t'as les fichiers ou pas, Nayone? Oui, j'ai les fichiers, mais j'aimerais avoir exactement la même version que vous, en fait. Ah, ouais. Parce que... Ah, puis moi, j'ai pas les identifiants méga. Je t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. J'espère, parce que mes comptes méga, là, de dépôt à distance pour le loisir, j'ai plus les codes. Enfin, si je les ai, mais le temps que je fasse la manip en direct, il va se passer 15 plombes et... Alors. Voilà, on n'est pas là pour ça. Vous voyez, ça, c'est encore une... Pardon, hein, je vais encore me mettre une couronne de laurier sur la tête. Mais le bon réflexe que certains m'ont décrié... Enfin, quand je dis certains, pas forcément dans la communauté, loin de là, plus mon entourage vie réelle, qui parfois me disent je suis foufou de tout télécharger, tout sauvegarder sur Internet. Mais bon, comme j'ai la chance d'avoir du stockage et de jongler avec pas mal de disques durs, J'ai ce grand confort et luxe-là de pouvoir quasiment rien supprimer et tout sauvegarder. Et du coup, ça me donne tristement raison, cette histoire d'Abandonware qui a été déclassé, qui est redevenu un jeu commercial, donc qui est plus accessible gratos. Bah, t'es bien content d'avoir sauvegardé préalablement ta copie avant que ce soit à nouveau inaccessible. Enfin, inaccessible, ouais. Redevenu payant. Ouais. Ah là 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 là, les joies de l'informatique. Est-ce que je l'ai en français?
Je fais n'importe quoi. Je suis en train de me lancer dans des constructions alors que j'ai toujours pas fait de ravitaillement de thunes. Je vais me saborder là. Je vais claquer mes 5000 dollars sans faire de cash de ravitaillement et je vais m'étouffer économiquement comme un gros nigo. Non, ça va, j'ai du bol, il m'en reste suffisamment. Y a pas de meilleurs outils ? Ah, peut-être que je me concentre un peu là. J'aligne pas de neurones, ça va pas. J'obéirai. Je vais mettre en français, j'ai pas emmerdé. C'est du boulot. Là, je parle mal. Je joue la GLA. Je vais mettre le jeu en arabe. Je plaisante, hein, second degré. Je mais, joue le chinois, je vais mettre le jeu en chinois. Voilà, exactement. Mais je me souviens qu'il y avait eu une mini polémique. Et là, c'est vrai que ça pouvait être tendancieux. C'est quand le jeu est sorti, donc il y a un éditeur de niveau. Et il y avait une polémique parce que, d'ailleurs, je crois même qu'il y a une cinématique dans le jeu, dans l'émission, où on voit un avion, un aéronef qui se crache sur le minaret d'une mosquée. Donc là, certaines voix se sont élevées en disant non, là, pour un jeu, vous allez trop loin. Mais il ne faut pas oublier que c'est une caricature en fait qui dénonce la guerre. Et le Commandant Conquer était à l'époque, malheureusement, de sortie de guerre du Golfe, guerre en Irak. C'est la guerre en Irak qui était dans l'actualité au moment de la sortie du jeu. Ah, c'est un peu propagande. Hein. Mets-le en hindou, dit Balivania. Oui. Tiens, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on peut même jouer à Minecraft en espéranto et en langage pirate. Je crois que ça vient de Pirates des Caraïbes où ils ont inventé un langage, je crois. Un peu comme dans la Guerre des Étoiles, il y a plusieurs langages comme ça qui ont été créés et qui sont soi-disant cohérents et qui peuvent s'apprendre. Hein. Alors que c'est des langues fictionnelles. Oh mon dieu, je m'entends en retour, j'ai l'impression d'être dans un studio. Ouais, ouais. Excusez-moi, je baisse le son. Voilà, il n'y a plus de retour. Allô, la régie numéro 4, gros plan sur le Nigo qui fait son variole depuis la Lorraine. Ouais. Les joies de Twitch. Attendez, mais je sais plus jouer, mais c'est horrible. Du coup, celui est redevenu commercial, du coup on est dans l'illégalité en fait. Ça me frappait pas. Non, pas forcément. Ah. Non. C'est très discutable d'un point de vue juridique. Si tu as pu revendiquer une copie du jeu gratuite au moment où il était gratuit, on peut pas te le reprocher. D'accord. Attends, t'imagines, applique la même logique à un bien de consommation commun, on va dire de la nourriture. Monsieur Nayonet, vous êtes en infraction, vous avez consommé, on va dire, je sais pas, de la bouillabaisse à moins 50%. Mais vous l'avez consommé quand l'offre promotionnelle n'était plus à moins 50%. Bah non, c'est quand tu l'as acheté que c'est à moins 50%, pas quand tu l'as mangé. Mais là, c'est une nourriture, c'est pas pareil. Là, c'est un produit virtuel. Ah, mais j'en ai rien à péter que ce soit... Pour moi, le calque juridique reste le même. C'est un produit, point barre. Peu importe qu'il soit immatériel ou satisfaisant un besoin primaire, comme on dit en économie sociale, je suis désolé. Non, l'argument tient pas, argument rejeté là. Excuse-moi, je serai avocat ou juge, je t'enverrai bouler dans ton argumentaire, Nayonet. C'est une part de prix à l'achat. Là, c'est une acquisition qui est permanente, un jeu vidéo. Oui, mais t'en as l'usufruit. C'est permanent. Oui, mais c'est une histoire de licence, on peut pas faire ce qu'on veut, parce que quand t'achètes un jeu vidéo, t'achètes pas vraiment le jeu, tu ne le propriétais pas vraiment. Il y a encore la propriété commerciale de celui qui l'a, ou de la propriété du jeu. Voilà, donc moi je suis pas d'accord non plus, quoi. Enfin, pas un fruit ou un machin. Puis après, si on peut dire aussi que le mec qui a un fruit, qui partage pas son fruit parce que les autres ont plus de nourriture, ça passe pas non plus, quoi. Et là, c'est un bien qui se multiplie autant qu'on veut. C'est juste pour réguler. Oui, c'est vrai. Mais attention, ça, c'est quand tu fais l'achat, c'est sous-entendu que tu acceptes le contrat de vente, c'est-à-dire les conditions avec lesquelles le produit a été vendu et comment il doit être consommé. Il y a une, entre guillemets, polémique.
qui traîne depuis des années avec certains constructeurs automobiles, surtout des constructeurs dits de prestige. Évidemment, je veux désigner la Scuderia, la célèbre écurie italienne au cheval cabré ou voiture rouge qui est Ferrari. Tu sauras que implicitement, enfin c'est culturel, je sais pas comment ils l'ont rédigé dans le contrat de vente. J'ai pas de Ferrari, hein, je vous l'avoue. D'ailleurs, ça m'intéresserait pas parce que c'est des voitures qui sont certes belles, mais qui pour moi sont inconduisibles. Mais ça, c'est un autre débat. À part éventuellement la F40 qui se conduit un peu comme une berline allemande, mais bon, ça, c'est un souci de pilote envers moi-même par rapport à mon profil. Je suis en train de partir à la dérive dans le propos et je te dirai, Balivania, t'as pris le temps d'écrire dans le chat, je ne t'oublie pas, t'inquiète pas. Il faut que je joue en même temps, mon dieu, mon cerveau va fondre. Il faut que je me fasse des bagnoles. Heureusement que j'ai mis l'IA en facile ennemi parce que là je joue tellement mollement. Je suis en mode bavardage et du coup je fais n'importe quoi. Je serais tenté de me faire encore un site de missile roquette. D'ailleurs, je vais le mettre près du parking. Je ferai du mieux que je peux. Ferrari, en fait, implicitement, quand vous achetez une Ferrari, c'est inexact. Dans le sens que vous avez une location perpétuelle de la voiture. Sous-entendu que vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec votre Ferrari. Et alors, j'ai cité Ferrari, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a les Anglais aussi de Rolls-Royce. Ou un autre constructeur de prestige anglais comme Aston Martin ou je sais plus, mais je sais que ça existe. Ils vous interdisent de repeindre dans la couleur de votre choix votre bagnole. Vous êtes obligé de repeindre votre voiture, si vous voulez changer de couleur, dans la palette des couleurs sélectionnées par le constructeur. Et il y a eu des affaires portées au tribunal d'utilisateurs de voitures qu'ils avaient achetées qui se sont retrouvés traînés devant les tribunaux par le constructeur historique en disant non, vous n'avez pas le droit de vous afficher et d'utiliser une voiture de notre catalogue dans une couleur entre guillemets excentrique. Et il y a eu des affaires. Alors très honnêtement, je ne sais plus qui a gagné de l'utilisateur de la bagnole ou du constructeur historique. Je crains que pour une histoire de gros sous, ce soit les constructeurs historiques à qui on a donné raison. Du genre, l'intéressé était condamné à restituer les clés du bolide et de plus en avoir l'usufruit. Ça va assez loin quand même, mais il y a eu des histoires de procès dans ce genre-là. Et je m'en tiens qu'au monde automobile que j'apprécie bien, comme vous le savez. Balivania nous écrit « Oui, c'est un peu le même délire qu'il y a eu pour Warcraft 1 et 2. À un moment, il était gratos, mais quand il est repassé en modèle payant, il y avait... Alors, tu avais la version quand tu l'as eu gratuit, et ça a changé rien. T'es resté toujours dans tes droits. » Oui, bah heureusement. Je vous réponds, mais heureusement que ça a posé pas problème. Donc t'inquiète pas, Nayonette, t'es blanchi, t'es dans ton droit. Et en plus, j'ai acheté la version CD, donc de toute façon, je peux télécharger autant de temps. En plus. J'ai acheté une fois la licence. Donc, voilà, hein. Alors voilà, j'ai réussi à installer le jeu. Mais je sais pas si vous avez le même problème, mais moi, à chaque fois que je lance le jeu et que je quitte, il y a Gentoo qui va faire des téléchargements avec une console écrit noir sur blanc, et puis il me télécharge des exécutables. Ah ouais. Oui. Alors peut-être qu'il a déjà fait. Si vous quittez, vous me direz si ça le fait. Voilà. Là. Donc là, j'ai... Oui. Au lancement, j'ai une fenêtre de console, comme tu dis, en noir. Non, à la fin. Moi, à la fin. Alors moi, à la fin, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu au début, mais pas à la fin. Alors ça fait qu'on a... J'espère qu'on a les exécutables, parce que moi, ça me l'impose à chaque fois. Si je ne fais pas rapidement CTRL-C pour couper la console, hop, j'ai le truc qui se télécharge et je suis obligé de réinstaller le jeu. Mmh. Oui, Balivania alors... qui dit... Le seul souci avec la version CD sur PC, si tu perds les clés, on t'ordonne pas de nouvelles. Oui. Oui, les versions CD, tu avais tout à fait le droit de redemander une copie du CD d'un logiciel que tu avais acheté sans qu'il te donne la clé. Il t'en envoyait. Je sais que c'était possible. Oui, mais non, c'est le prix, c'est la clé en fait. Ouais, le droit de désactiver le programme. Oui, alors moi, ce qui me tue d'ailleurs, j'ai certains programmes de loisirs, dont un de mes logiciels de compo musical, je suis assez fâché. Mais c'est le droit de l'éditeur. J'ai un nombre limité d'activations aussi. Alors j'ai acheté une licence pour de la compo musicale. J'ai droit à 3 activations. Donc il m'en reste 2. Mais bon.
Ça me met un peu la pression en me disant merde, j'ai un souci d'ordi, je dois réinstaller tout le bordel. Je claque un droit d'activation et or j'ai envie que le programme me survive jusque dans la tombe, que j'ai pas de questions à me poser, à me dire je peux avoir plaisir de faire de la compo musicale quand je le souhaite. Alors le truc dont tu parles s'appelle Genpatcher et c'est sur le launcher en bas à gauche. Ah oui. Donc qu'est-ce que vous me voulez? Cette musique en arrière-plan de Grillon me rend fou. Ça me rappelle mes nuits d'été dans les Vosges quand j'étais gamin. On entendait des grillons, c'était magique. J'ai trouvé un patch. Alors j'ai trouvé un patch pour votre jeu qui permet de jouer en ligne. Ah. Éventuellement, si tu le souhaites, Dragon, tu peux partager le lien de téléchargement. Oui, en évite. Ça évite Discord. Par Game Manager, tout ça. Tu peux même faire dans le chat, mais attention, le chat, il faut que je j'invite à la prudence. Twitch, hein, mais partage sur Discord. T'alignes bien les bâtiments, le singe, je vois. Vie. Ah. J'ai la gueule. Olivier. T'attaques. C'est dommage, je me suis pas fait de premier véhicule et il faut que je répare aussi mon truc d'ailleurs, parce que là il va exploser le machin. Est-ce que j'ai pas rangé? Ah non, il est là lui. Va réparer le truc de défense, mon gars. Il me faudrait une tuture pour récupérer les pièces détachées. Merde. Les trucs vont disparaître. Et... bah trop tard. Là, c'est une petite fumée. Le patch en question, ça marche pour le. En tant que GLA, tu peux récupérer des caisses, c'est vrai. 1.8 et la. Ça va 1.4. Vite, je trouve. Hein. D'habitude, ça reste plus longtemps, ça reste au moins 30 secondes. Ok, merci, Dragon. Oui, c'est pas grave, Nayonet. Je veux m'adapter aux conditions de guerre. Comme tout bon militaire. Tous les crashs et bugs sur Windows 10 et Windows 11. Ouais, j'ai la version actuelle de Windows. Ouais. La 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 la, c'est bien, oui. Répare vite l'ouvrier. J'ai du bambola. C'est que j'ai trouvé. Il y a un sacré boulot. Donc je peux vous le partage. Tu peux avoir des chaussures. Oui, je vais le faire. Oui, n'hésite pas, Dragon. Merci, c'est gentil. J'enlève souvent d'avis. Sur ce marteau est trop lourd. Oui, dans le canal discussion en textuel dans le direct Twitch. Oui, oui. Voilà. Alors, je suis embêté parce que je viens d'entendre un bruit que j'ai pas du tout aimé. Ah. De vie réelle, hein, je parle. Et t'as pas de mini-carte, le sage? Ah, t'as pas fait de. J'ai pas fait de radar. Oui, ça va venir, le radar. Attendez, j'espère que ce que j'ai entendu, c'était. Le vent, on va dire ça comme ça. Ouais. C'était attendez, j'aimerais cliquer boulot. Sur radar. Je reviens dans une minute. J'espère que je vais pas me faire laminer. Oui. Merde, oh bah. Excusez-moi. On appellera au secours. Tout aimé le flamme. Que j'observe par la fenêtre, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a pas. C'est une mauvaise interprétation du bruit de ma part. D'accord. Bon, okay. Tout va bien. Les oreillettes. Tu nous entends pas. On peut dire des vacheries. Mais non, je suis relié. Quelle chaîne voulez-vous, général? Ah. Oui. Oui. Mais même ton interface, ils l'ont modé avec la version abandonware. Oh. C'est pas celle d'origine. Ça fait un gros stock. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pas pour l'esthétique. Hein. Ils voulaient moins alourdir l'interface. Moi, c'est quand je suis passé du jeu Age of Empire 3 qui avait une grosse interface bien carrée, bien rectangulaire, à Rise of Legends où c'était juste des petites parties d'interface avec des formes rondes, triangulaires, compagnie là. C'était plus sympa, mais là, de fait, de passer un truc léger, c'était gênant quoi. Oui.
Mais après, je m'y suis habitué, je trouvais que c'était sympa parce que ça donne plus de visibilité comme l'interface est plus petite. Là, tu vois entre les éléments du menu, quoi. Ah. Oh la vache, je peux pas dire qu'ils soient super rapides, les mecs. Et là, bon. Je vois pas la mini base de EJ. Où est-ce qu'il en est, EJ dans ce temps? Non, où EJ, EJ, dans il est. Il a une bonne dynamique de thunes, contrairement à moi. Ah oui, bah il est même déjà indépendant. Voilà, bravo. Je suis vraiment nul, hein. J'adore mon cœur, mais. Je me suis trompé de jeu là, je joue à SimCity au lieu de jouer à la guerre. La ligue les bâtiments proprement, c'est bien. C'est ça. Ah! J'ai reparti! Ça défouraille! Vite! Il fallait récupérer les pièces. Vite, fonce la Jeep! Ah bah non, y'a rien! Oh, leur engin était tellement pourri qu'il n'y a rien à récupérer. Je suis déception. Allez, oui, c'est la patrouille. On la patrouille. Envie. Vous êtes contre 4 faciles, c'est ça? Non, 2 faciles. Ah, 2 faciles. On est en 2 contre 2. On est en facile. D'accord. Parce que, voilà. Hein, un haut et un bon. On n'a pas de haut gradé comme Nayonet qui sont dans la partie, donc on s'incline déjà. Des haut gradé, tout de suite. Mais moi je suis un haut dégradé. Je pars en. Haut en couleur, tu veux dire? Ah oui alors. Haut dégradé de couleur. La 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 la. Ah bah si j'ai le temps de faire la super arme, les Scud, là des couleurs on va en voir. Hein. Mais c'est les ennemis qui vont avoir les yeux qui clignotent. Joli. Chantier de construction terminé. Tati tati ti 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 ti. J'ai t'as fait une petite tourelle. Je mettrais un mitrailleuse à ta place dans le Skull. Oh, on peut pas le faire. Ouais, non, si je commence à donner des conseils, c'est génial, ça y est, ouais. Je suis impatient, tout ça. On voit que le réseau de tunnels du sage, c'est les petites tourelles qui balancent des trucs chimiques, c'est bon contre les unités d'infanterie. Et les tourelles, les missiles, les scuds, les sites scuds, c'est pour. Pas les sites scuds que je raconte. Si, c'est ça, c'est sites scuds. Ça s'appelle comment? Ah, bon direct à toi, Vanivania. Merci pour le mode sous-marin. Bon direct. Pardon, je t'ai interrompu, Nayonet. Donc les scuds, quoi? Les petites tourelles scuds, c'est pour les tuer les véhicules. Ah, donc, oui. Si t'alternes les deux, tu protèges bien ta base. À moins que t'aies une grosse masse qui arrive. Avec non, les la armes classe... de siège comme les. Ouais, c'est le camion. Missiles. Ah ouais, le lance mobile Scud. Oh là là, il faut avoir une position. Il est un peu fragile. Il est un peu fragile le lance mobile Scud. Bah, il faut bien compenser sa puissance de feu, hein, parce que disons que se manger un Scud dans la tronche, ça fait mal. Hein. Mickey, Balivania, plus. Bonjour à toi, bon après-midi. Bon après-midi, Balivania. C'est vrai que le pauvre Balivania, ça fait une éternité que je crois que je suis pas passé sur sa chaîne. Oh, faudrait que je lui fasse un coucou en semaine, parce qu'il joue aussi de temps en temps en semaine. Ah, marché noir, je vais être indépendant financièrement, c'est important. Je ferai du mieux que je peux. Je peux avoir des chaussures. Ouais. Je peux arrêter d'être à côté de ces pompes, lui. Comme je le dis. Est-ce qu'il y a des unités dans le van? Dans le van, je sais plus s'il y a des personnages. Enfin, pas qu'il y a des. Ah, celui-là, le van non, de attends, complètement à droite. Alors, à droite, il peut embarquer, mais il n'est pas fourni, contrairement aux Chinois. Ah, oui. Celui-là, il est livré et à vide. Et il peut péter deux fois, je crois, le van, avant de mourir. Alors, le machin, là... il fait une cabriole. En fait, quand tu t'attaques le van, il fait une cabriole quand il est cassé une première fois, et la deuxième fois, il explose complètement. D'accord, ok, donc c'est une détérioration à détournement, j'allais dire. À retardement. Oui. Oui, j'ai mon premier maraudeur. Donc c'est ça, c'est j'ai fait jouer mon bonus de merde. Général pour faire des tanks maraudeurs un peu plus solides que les scorpions. Alors oui. Surtout si tu les améliores. Voilà, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, récupérer les pièces détachées des ennemis sur le champ de bataille pour rafistoler quelque chose de mieux.
Le problème, c'est que comme il s'est rangé à côté du bâtiment que j'ai... Ah merde. Un cadre de sélection, hein. Tu traces un carré et puis tu peux le sélectionner. Ouais, ouais. Voilà, il va lancer des têtes nucléaires, et Jay, tout va bien. On a fait notre boulot. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah oui, alors. Mais sur qui va-t-il lancer son missile nucléaire? Est-ce qu'il va faire le trait de Nayone ou alors le bon allié allié le bon LG ou copier sur Nayone? Missile sur le marché noir du sage. Mais remarque, si tu te prends un missile nucléaire, ça rase tes bâtiments ou ça les abîme un peu, mais ils sont pas détruits. Parce que juste après, t'as des petits ouvriers automatiquement qui reconstruisent le bâtiment. C'est bien ça. Si tu t'en balances pas deux, ben tu peux pas casser le bâtiment. Oh, tu peux récupérer du matériel, le sage. Oui, j'étais en panique en fait dans ma sélection parce que j'avais présélectionné la défense et puis je dis merde, je peux y aller et puis non, tu vois, mais je clique trop tard. Ah, c'est voilà, trop tard. Voilà, tu vois, j'arrive trop tard. Mais c'est pas grave, c'est pour la prochaine. Ouais. D'ailleurs, je vais le mettre là en défense, le maraudeur. Mais la vache, je me souvenais pas qu'à la base il était aussi massif. Hein. Il est fait de briques et de brocs, le char, mais il est quand même imposant. Hein. Briques et broc. Comme Minecraft, but de briques et de broc. Ouais. Non mais tu sais que j'ai déjà envie de rejouer à Minecraft. Bon mais bah on va aller sur Minecraft. Non mais on va arrêter. Attends, je vais pas faire de... Hey, je voudrais pas dire mais je vous ai fait 5-6 épisodes de Minecraft en une semaine. Ça n'était plus arrêté. Enfin, j'avais plus diffusé du Minecraft sur mon compte depuis 6 mois. C'est... Observez ma totale irrégularité dans les jeux. J'ai vraiment des périodes. Le sage termine ton château dans Minecraft. C'est la corruption. De dire des choses sales en sous-canal. Coquino. Mon dieu. Non, mais j'ai pas fini de le faire, mon château, et vous savez très bien pourquoi. C'est tellement... gigantesque. Oui. Gigantesque. C'est d'ailleurs, j'ai regardé à quoi il ressemble sans la map. Oui, dis-moi s'il y a la coupole, le tour en noir en ardoise, s'il te plaît, Nayone. Normalement, on doit voir la coupole en ardoise. Oh! Oh! Oh, je ne dis rien. Oh, l'autre. Oh! Ah! Oh! On voit la coupole. On voit la coupole bien, aussi bien en 2D qu'en 3D. Ah! Et on voit ma petite zone de sépulture que je t'ai faite et tous les arbres ont poussé. Même le petit sapin récalcitrant. Donc tu vas pouvoir découper de l'arbre. Ouais, c'est équipe bien. De ta faucille. Ouais. Tu t'équipes de ta houe et de ton ta hache niveau 5 et solidité et tout tralala, et puis hop, tu coupes les bois en dessous. Non, merci. Non, tu seras en toute sécurité derrière des barrières s'il y a des s'il y a des zombards qui passent, ils sont là. Ils feront rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais là, ma coupole, en fait, on l'a vu dans le jeu ce matin quand j'ai démarré là dans mes 5 premières minutes de jeu. Et j'étais trop fier du rendu de la coupole. Elle est trop belle. Ça en jette même mieux que ce que je m'étais projeté dans mon imagination, c'est dire. Et ça fait super classe quand t'arrives maintenant dans mon château, ça en impose en fait. Vous voyez la silhouette du bâtiment qui... Alors qui n'est pas encore gratte-ciel, je suis encore assez bas par rapport au nuage, mais ça en jette. Franchement, ça fait une magnifique façade. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait ça. Ah, ça bouge bien, hein, Dragon, je te le dis. Hein. J'ai très faim. N'hésite pas à te connecter pour passer une heure en mode touriste, tu vas pas voir leur tournée, hein. Ça je peux te le promettre. C'est extraordinaire tout ce qu'il y a à visiter. Je ferai ce que je dois faire. D'ailleurs, il risque d'être sacrément long le prochain épisode d'exhibition de Christella. Parce que on se creuse. Oui, attends, il y a Torota, il y a Toyen Nayone, il y a. Bah, quasiment tout le monde. Les principaux bâtisseurs sur le serveur, il y a beaucoup à voir là. Ouais, moi c'est. J'arrive, j'en suis à la moitié ou un tiers de ce que je voulais faire. En plus. Un tiers. C'est génial. J'adore être inscrit dans ce genre de dynamique. C'est merveilleux. C'est enivrant à souhait. J'adore ça. Je vais sauter dans Minecraft le temps que vous terminiez votre partie. Oui. Moi je tiens plus, hein. Je tiens plus. Et je vous observe en même temps. Et grâce à deux écrans sur deux PC. Aïe, aïe. Et je suis prêt à faire feu, de toute façon je peux rejoindre votre partie à n'importe quel moment. Et je te vois parce que cette fois-ci ça va marcher. Et on a tous la même version abandonware. Tu m'étonnes. Attends, il est où mon ouvrier là, Eo? Faut me réparer mes sites de tir. Je suis en train de me faire abuser par les ennemis là.
Ah, le maraudeur peut prendre des trucs. Ouais. Mais sinon, ça va être la fin des soldes, tu pourras rien prendre. C'est ça. Montrez-moi juste où. Mais comment c'est possible? Et il fait nuit, et il fait nuit. Et il fait nuit dans le Minecraft. Je vais attendre parce que ça va faire éclore les œufs. Les œufs de tortue, j'ai accouplé deux tortues. Ouais. Et elles m'ont fondu des œufs grâce au toucher de choix. J'ai récupéré. La première fois, je croyais qu'il y avait qu'un seul œuf à récupérer. J'en ai récupéré un, mais j'ai marché sur les œufs qui restaient. Bon, enfin, mais c'était proche l'une de l'autre. J'ai pu refaire des œufs. J'en ai eu 7 au total. Ah bah bravo. Ça aussi, j'ai encore jamais fait hein, la gestion des tortues dans Minecraft. Je suis en retard sur pas mal de trucs. Hein. Mais c'est une richesse clair. Minecraft aujourd'hui. C'est waouh. Ouais, mais il était temps. Hein. Pardon. Parce que juste des briques. Bah, c'est bien, écoute, mais c'est. Moi, j'aimais beaucoup. Déjà, je trouvais que Minecraft était devenu atteint une maturité certaine à la version 1.13. Qui se souvient de la version 1.13? C'était pas quasiment moi. En 2015-2016 qu'elle était sortie, je crois. Donc ça fait un bail déjà. Et à la 1.13, croyez-moi qu'il y avait déjà beaucoup à faire dans Minecraft. Là, on va arriver, la semaine qui arrive, à la 1.21. Ouais. Je connais... Là, honnêtement, je crois pouvoir affirmer que je ne connais à peine plus de la moitié de ce qu'on peut faire dans Minecraft. On va dire généreusement les deux tiers. Il y a tout un tiers de choses à faire que je n'ai encore jamais abordé dans le jeu. C'est vertigineux et c'est génial. Ah, par contre, là, je vois qu'il y a une partie de la carte qui a été amputée. Ah oui, il manque un gros carré, ouais, qui fait noir, qui fait... Ouais, c'est pas grave, ça, c'est depuis le début, personne n'est allé là encore, figure-toi. Alors qu'on en a la possibilité, c'est ça qui est comique. Si c'est ce que vous voulez. Ah, le placement millimétré du scud. Ouais. Je me tasse. Oh, il fait un boogie-woogie, le char d'assaut. Il a fait un 360, j'ai pas compris. Il a double canon, maintenant. Yeah. Tu nous as expliqué, on doit pas explorer non plus très ils loin. Se font bouffer par la toxine, les fantassins. Ah bah c'est jour, je verrai pas les œufs aujourd'hui. Alors j'ai bien pensé à mettre les œufs sur du sable. Et déjà, une petite surprise. Petite surprise, petit missile. Un petit missile. Ouais. C'est de l'ironie. Let's go. Oh merde, il lance la tête nucléaire. La tronche du sage. Oh non. J'ai même pas localisé ton site. Je sais pas d'où c'est parti. Et encore où ça va atterrir. Il est pas lancé, il est tout à droite. Ah d'accord. Tout à droite de la map. Tout à droite de la map. Hein? La droite. Ah là, d'accord. Ah oui, d'accord. En haut à droite. Ok. Notre allié. Oh. Holy crap. Oh. Ouais. C'est ce gros move et Jay, oh la vache, ça va loin. Oh shit. C'est un violence. Holy crap. Attaque nucléaire. Attaque nucléaire détectée. La. Et la message d'alerte de mauvais goût dans la base. Le seul port des lunettes de soleil est inapproprié. L'horreur. Ah, mais je cuis, au secours. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais par contre, j'ai découvert... Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai découvert le fameux portail qui permet de récupérer des ressources hors des ressources... Ah oui, rock. Ouais. C'est là où t'es, monsieur général, vous avez pris du galon. Vous marchez bien. Ça peut marcher. Truc que m'avait expliqué hier Nayone. Attends, est-ce que je peux améliorer la Jeep? Oui, la Jeep aussi, je peux l'améliorer. Ouh, je vais avoir des véhicules d'une qualité. Ah, j'ai gagné une promotion, mais elle ne m'intéresse pas encore que. Ah, est-ce que je cède pour le Land Mobile lanceur mobile Scud? Ah, ouais, c'est fragile, mais c'est efficace. Ouais. Je sais pas. Oh, non.
Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, j'ai fait le choix du pas de tir, Scud. Encore, j'aurais sacrifié le... Bah tiens, je vais l'avoir, le compte à rebours va s'amorcer. J'aurais c'était pas fait le choix du lance Scud, que ouais, j'aurais pris effectivement la version mobile. Mais les deux, c'est pas nécessaire, on est contre des ennemis faciles, faut arrêter la déconnade. Pas possible de m'aimer dans les orties quand on a un couche-culotte, hein. Ok. Ouais. Voilà l'expression que j'ai apprise il y a très longtemps. Et ben dis donc. Oh, des émeraudes, si vous étiez connecté, vous auriez pu avoir des émeraudes. Mais non, vous êtes passé comme un conquérant et moi j'ai eu la malchance de déconnecter. Mon dieu. Si je prends pas mon établi, ça va pas le faire. Bon. Dès que vous avez fini. Je crois qu'EJ est parti pour gagner la guerre en fait. Ouais, bravo EJ, je suis nullissime. Moi je vais arriver, il y aurait qu'un tas de cendres fumantes. C'est par où la fête, comme disait Nadine. Donc tu tiens ton public en haleine en leur racontant des histoires, donc c'est difficile de faire la guerre et faire le journaliste en même temps. Oui, si on veut, oui. C'est pas faux. La 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 la. En plus, il y a plein d'options que j'active même pas. Mise des véhicules sur les parois. Bombardier, c'est pas visé. Ça me plaît beaucoup. Apprenez à viser, nom de Zeus. Si je prenais un échafaudage par exemple, bon, une option, non? Un échafaudage. Oui, je sais plus qui va implanter des échafaudages et c'est vrai que je commence à être tendu moi au niveau du. Je peux t'en envoyer si tu veux, j'en ai plein. À l'occasion, tu peux en déposer, mais en même temps, je me plains foncement parce que je me dis, tu vois, j'ai fait le plus dur tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Ces dernières heures de jeu, j'ai fait mon échafaudage. Hein. Donc à vrai dire, comme le dur est posé des murs et des plafonds, j'ai plus vraiment besoin d'échafaudage maintenant. Le plus chiant a été fait. C'est par le plus agréable là qui arrive pour moi. Oui, Dragon, tu voulais dire, pardon. Par contre, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont fans du vert. Hein. On a la chance d'avoir un désert de grande surface, donc voilà, on va pas se priver. Puis tu connais l'importance de la gestion de la lumière dans le jeu, pardon. Ah ouais. Déjà, si t'as pas beaucoup de baies vitrées, tu déprimes. Et puis les ennemis, voilà quoi. Il faut pas faire trop sombre, c'est dangereux. Chez Dangerous. Matériel de réparation rassemblé. Chez Dangerous Bond de petits Pimous, je dis n'importe quoi. Non, les Pimous, c'est des bonbons, mais ça existe encore les Pimous. Je sais plus, mais moi j'aimais bien ceux à la framboise. Quand j'étais gamin, j'aimais bien voir ça en récompense. Je suis en train de réfléchir. Je vais avoir une belle image, je préfère avoir un Pimous. Voilà, c'est. Oh merde. Il est détruit. Encore un missile. Voilà, bisous. Ah. Je sais où je pourrais m'installer pour créer mon petit je sais pas si ça a été créé ou ça a été fait généré de il manière tout détruit il a tout détruit le jeune mais t'as l'air confus ouais. Dragon oui. Je vais peut-être m'installer là, j'ai très faim. C'était un sacré tu essayes de trouver un point de chute dans Minecraft Dragon? Ouais. Bah je peux te dire si c'est une zone revendiquée ou pas, si tu pouvais me la décrire. T'es où là dans le jeu? Il y a un petit village. C'est un petit village en pleine. Il y a de la neige à côté. Et une plaine un peu genre type savane. Pas vraiment savane, mais un peu du genre. Comment expliquer ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des quais allumés, c'est quoi? Ah, c'est une espèce de guinguette sur un quai. Mon dieu. Et en plus, c'est pas très loin. C'est pas très loin du métro. Donc ça va. Je crois savoir où t'es. Oui, j'ai eu. Attends, ta précédente localisation, c'était mon château, Dragon. Oui, mais maintenant, oui, parce que j'ai joué un petit peu, j'ai bougé. Ouais. Là, actuellement, je suis chez Torota. Ah bon? Ouais. Alors attends, ta description m'intrigue si tu m'affirmes être chez Torota. Il y a un petit village et il y a jungle machin. Oh, je pense que tu pourrais t'installer là.
Il faut faire attention, tu dois être à la lisière entre le territoire de Torota et celui de Nash. Mais ça devrait être bon. À vérifier, si tu peux montrer sur la photo du plan. Il y a un outil pour revendiquer des zones, tu le sais ça en plus, Dragon Sky. J'ai un outil exprès. Ouais, c'est vrai que normalement il faut me demander la carte vierge et vous me dites d'un dessin sur la carte où est-ce que vous voulez vous poser. Normalement c'est la règle, parce que ça évite les conflits territoriaux. Cependant, oui, je reconnais que c'est pas encore facile d'accès. Je suis en train d'y remédier et je rappelle qu'à la fin du mois, au début du mois prochain, enfin au début de l'été, je vais vous faire une annonce importante où je vais simplifier les accès. C'est-à-dire le fait de s'inscrire à notre serveur, le fait de revendiquer un territoire, le fait de faire un don en boutique. Je vais simplifier les choses. C'est pour bientôt. J'ai presque fini de programmer le bazar sur mon temps libre. Je reviens vers Dragon pour la revendication de territoire. Est-ce que tu peux décliner les coordonnées géographiques où tu te trouves dans le jeu, s'il te plaît, là où tu veux construire un truc, Dragon? Est-ce que tu peux les céder à Dayonet, s'il te plaît? Il va vérifier sur la carte si tu peux t'installer ou pas. Coordonnées, okay. Oui. 100X2740. Une bonne idée, oui, en effet. Z en X2740, en Z743 et en Y64. Oui, alors Y, c'est l'altitude, c'est, ouais, oui, on peut négliger le paramètre. Et X2740 et Z743. X2140 et Z253. Normalement, attends. L'autre ennemi, il est là. Lancement des scuds multiples. Attends, je vais les écrire. Je te demandais de répéter, mais je vais les écrire parce que sinon je vais oublier. S'il te... Attends, je sais pas bon tout de suite. Voilà, c'est bon, je t'écoute. Alors, X quoi, s'il te plaît. 2743. Et ensuite, Y. Non, Y, ouais. C'est la hauteur, comme il a dit. D'accord, Z. En 743. Je vérifie ça. Il n'y a pas de moins, hein. On est d'accord. Hein? On est, il t'a pas de, c'est bien plus de 1000, c'est bien plus de 1553 et plus 743. Il n'y a pas de moins de 1543 ou quoi que ce soit. Dayonet veut s'assurer que tu déclines des valeurs, des nombres positifs et non négatifs, ce qui moi, fait que ça foncerait largement les coordonnées. Je peux t'envoyer en MP, vrai. Voilà. Avec les coordonnées directement, parce que j'ai fait capturer. Ah, mais il n'y a rien. Ah, il y a un village là. Ok, attends. 2543, Z743. Voilà, la capture d'écran, c'est là, le petit village là en question. Et bon, ok, je vois où est le petit village. Oui, c'est un petit village dans une forêt de sapins. Avec, ouais, la neige à côté, tu peux t'installer. En, ouais, plus, il y a ma ligne de chemin de fer qui est juste à côté. Non, il peut se mettre là, il n'y a personne. C'est cool. C'est pas loin de ton château, le sage. Ouais. C'est vraiment, génial, pas loin de ton château. C'est à côté de ton biome neige. Eh ben c'est parfait. Donc, oui. Vas-y, t'as notre feu vert, Dragon. Et merci, Nayonet, d'avoir... Et ouais, n'oublie pas de revendiquer la zone via le sage, hein, que tu ne te la piques pas. Une fois que tu t'es approprié, personne ne te la prend. Si tu peux me copier-coller, s'il te plaît, Nayonet, pour moi, en message privé Discord, ses coordonnées, je ferai le nécessaire pour mettre à jour les revendications territoriales. Merci, vous êtes adorable. Ouais, c'est bien. Non, il y a personne. Personne. Si après, faudra vérifier le. Parce que c'est quelle superphysique tu veux. Ouais, c'est. Continent. Non plus, mais c'est juste la partie forestière. Ah. Tu veux juste te mettre dans la partie forestière, ok, avec le lac, tout ça. La partie forestière avec le lac, et puis. J'avais été un peu de dragon de l'oreille. Tu peux poser aussi un peu dans la neige. Ouais. Et un peu vers plus vers le sud, vers. Voilà, les montagnes. Il y a de la roche en contrebas. Oui, je vois, ouais, je vois ça. De la Wewash. Ah, t'as trouvé. Ok, j'en ai encore un maraudeur. Ah, putain, je vais en faire plein parce que j'aime bien. Attends que j'ai de la thune. Oui, c'est open. Oui. Tu pourras même faire une ouverture sur le chemin des rails pour pouvoir rejoindre Glassabla ou le château du sage. Tu sais, il y a un chemin qui passe, hein, c'est moi qui l'ai créé. Tu peux faire une connexion. Sans altérer le chemin, tu peux faire une, ouais, connexion. C'est cool. Je ferai, ouais, du mieux que je peux. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de faire un truc propre pour pouvoir connecter le. C'est ce que vous voulez. Mon petit endroit. Allons de
perso. Pour l'instant, voilà. Donc du coup, il va falloir que je ferme beaucoup de roches et puis que je me transforme... Oui, parce que je vois, c'est de la roche lisse. Pour le mettre... pour la roche lisse. Non, c'est de la roche taillée, je veux dire, pardon. Pourquoi je dis roche lisse? C'est du boulot. Oui. Il faut que je définisse un autre point de chute de mes blindés, parce que là... Blindage boulonné. Blindage boulonné, oh mon dieu. J'espère que ça retourne pareil. Tout marche bien. Voilà, j'ai même installé des shaders côté. Oh, le luxe. Ouais. Ce sera encore plus joli. Tu m'étonnes. Et adapté à la version actuelle qu'on est sur le label à 1.20.4. Aïe aïe. Alors. Mais si tu veux anéantir l'autre ennemi, tu peux, hein, Edge Beaujolais. Oui, oui, j'attends que mon armée soit complète. Oh, ça va être un péplum. Maraudeur paré. Blindage boulonné. Les blindages boulonnés. Voyons ce qu'on va trouver. Et moi je joue avec Michel Beaujolais, Beaujolais. Chantier de construction terminé. Du coup, je vais partir de chez toi pour aller justement en question on la a zone. Fait notre boulot. Je ferai du mieux que je peux. Oh là là, c'est joli avec les shaders avec le verre, avec les torches. Oh ya ya. Chantier de construction terminé. C'était un sacré boulot. C'est magnifique. Prout prout, mon cerveau me dit. Ah, bah d'accord. Ouais, juste faire une petite sieste et après hop. Oh vache. Attention, une attaque des jets à tête nucléaire. Oh, j'en connais qui vont sauter de joie. Donc, ça, je vais devoir transférer quand j'aurai fini de ce que j'ai à faire. Ouais. Je vais transférer tout le matos de où que j'habite actuellement à Bella Sabla à la nouvelle zone que j'ai revendiquée. On a fait notre boulot. Eh ben dis donc. Je vais même pas me demander si on va pas gagner la guerre avec une bataille à distance. On a fait notre boulot. On a fait notre boulot. Alors, on va mal finir cette année. Ouf. Voilà. À venir dans les langues de l'histoire. Oui. Quelle formule. J'ai très faim. Donc je sais la zone que j'ai revendiquée. Je vais tout de suite à cet endroit. Montrez-moi juste où ils sont. Oui. Attends, il m'a laissé des pièces détachées. Ah oui, j'ai eu un doute. Ouais. Ouais, du coup j'avais dit 2700 quelque chose, hein, c'est ça. Ah bah, si tu sais plus 2743 Z743, tous en positif. J'espère que ça recouvre. Oui, 2743 et 743, d'accord. Je bois une gorgée de flotte à ton honneur, ange de lumière. Merci, tu as raison. Scud multiple, paré au lancement. Si tu veux admirer le spectacle, il me semble. Ouais. Je me joins à la fête. Lancement de Scud multiple. Pour la cérémonie. Pour le bon son. Ouais, pour les shaders, j'utilise sodium. Je connais pas. Du sel. Du sel. Chlorure de sodium. Ah, mais ça s'appelle sodium. Parce qu'il y a aussi éléments. Truc. DSL machin et sodium. Et iris aussi. Alors ça s'appelle
Mais du coup, je fais comment pour revendiquer pour le pour valider sur la carte? Non, mais je vais le faire, tu sais, Dragon, grâce aux coordonnées que t'as cédées à Nayonet, qui a vérifié que tu pouvais t'installer. Nayonet va me refiler tes coordonnées, et moi, je dînais par rapport à ce que tu m'as décrit, là, je veux le bois avec le petit lac, machin. T'inquiète pas, je déciderai ton territoire revendiqué. Dis-toi que c'est déjà fait, Dragon. D'accord. Ouais, joue paisiblement, t'en fais pas, t'as décliné les infos qu'on souhaitait, on t'embêtera. À partir de 15h, le 9 juin, hop, c'est à toi. Bien joué, voilà. Il est terrible, AJ. Il a gagné la guerre. Ah, je peux venir avec vous. 7 unités créées, 29 unités perdues, 150 GD détruites, 20 bâtiments construits, 1 bâtiment perdu, 15 bâtiments détruits, 143 210 ressources qui donnent. Je crois que j'ai compris comment fonctionne l'économie. Ok, eh ben, je vais vous rejoindre dans Game Ranger, mais ça nécessitera que vous quittiez le jeu. Mais moi, je vais faire une petite pause. Oui. Ah, d'accord. Ok, bah, je joue avec... Temps de prendre un goûter, tout ça, je vais faire une pause. Bah, tu nous rejoindras après avec Torota pour du Broforce, si tu veux, AJ. Ah, oui. Je pense bien. À partir de 17h, on risque de faire la bascule en Broforce, donc jusqu'à 20h. Ok. Ok. Yes. Bon goûter, à tout à l'heure, AJ. Bon goûter. À tout à l'heure. La 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 la. La 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 la. Par les déconnectes de Minecraft. Da, 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 da. Voilà. Da, di, du, du. Je suis prêt donc. Voilà. Donc il t'a pas proposé de faire une mise à jour, le GenTool. Il n'y a pas de fenêtre de commande qui s'est ouverte. Non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que n'oublie pas que tu m'as informé en avance. Donc moi, j'ai téléchargé et installé la mise à jour avant même de lancer le programme, puisque tu m'as donné l'info. Souviens-toi. Non, mais non, c'est pas ça, je parle. C'est à la fin du jeu, quand tu quittes le jeu. Non, il te balance une fenêtre de console et il te met à jour, te change des fichiers. Je n'ai pas vu ça de mon côté, mon cher Nayonet. Ok. Le jeu en lui-même, hein. Ça peut être l'environnement de programme, c'est-à-dire l'OS. Moi, je suis sous Windows 10, toi, tu m'as dit que tu étais sous le 11. Oui. Bah, c'est peut-être ça la différence qui fait que toi, tu as une fenêtre. Bah, ça me le fait aussi sur Windows 10, hein. Ça me le fait aussi sur mon autre ordinateur qui a Windows 10. Ou... Bon, bah. Moi, je réponds plus de rien. Cette fenêtre en fin de quitter le bazar, j'ai pas vu. Ah, moi, je suis bien content que ça fonctionne. Tout la touti, 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 tout à la touti, 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 chibidi, bidi, bidi, chibidi, bidou. Wouh! Je suis en joie. Alors, changeons de carte. Elle est jolie, mon ami. Oh, il m'a dit que c'est pas bon. Ah, tu l'as dans le bip. Oh non, mais vas-y, le jeu, s'il te plaît. Ça a marché tout à l'heure. Pam 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 pam. Voilà, là ça marche. Ah oui, parce que j'allais dire, si ça devait être un échec, j'aurais une alternative, un jeu du même genre qui est d'ailleurs un ancêtre, mais enfin, on en est pas là. Ah, vas-y. Je m'appelle pas Game Ranger, mais n'importe quoi. Game Ranger. La 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 la. Je vois pas ton nom. C'est pas vrai, on a la même version, ça marche encore moins bien qu'avec Steam. Ah si, c'est bon. C'est bon, parce que c'est pas au même endroit. Oui, faut attendre. Non, l'interface était différente, en fait. D'accord. Je prends le rouge. J'ai que le début, d'accord. Oh, je sens que ça va parder. Je ne prends pas aléatoire, j'aime pas ce peuple. Ouais. J'incarne qui, moi? Je veux changer de spécialité. La toxine, on l'a vu un peu. Oui.
quand j'ai quitté Minecraft, ça a enlevé l'erreur DirectX. Donc, du coup, c'est bon. D'accord. On peut pas lancer plusieurs fois le jeu. C'est un vieux jeu. Hein. Oh, vieux je vais être sadique. Avec les explosifs. En fait, j'ai une question. En cas si je me suis trompé dans les coordonnées, je vous donnerai les coordonnées exactes pour corriger. Oui, tu donnes le carré, quoi. Parce que tu veux rentrer. Ouais. Oui, c'est la surface. Voilà, je suis arrivé dans la première intersection que je voulais. Excuse-moi, Dayonet, tu peux définir ta localisation sur la carte de jeu? Pardon, excuse-moi, j'étais en train d'attendre que tu lances le jeu. Sauf je vais que prendre je peux ça. Pas, tu es ni prêt, ni avec un point de départ. Merci. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai complètement zappé. Je sais pas si... Là, ça marche, le chargement. Gauche. Si je m'en souviens. Par rapport à l'intersection du rail. L'intersection du rail. Oh, j'adore le maraudeur. Maraudeur. Oh, j'entends un chien aboyer au loin. Je vais y aller. Ah, ça fait plaisir, j'ai une grande zone, une grande vue. Oh. Je ferai ce que je dois faire. Et puis ça marche, eh ben putain. Pardon du gros mot, mais c'est génial. Effectivement, le propos était un poil cru. J'ai besoin de thunas, donnez-moi de la thunas ou je déclare la merdasse. Pardon. Quand je vous disais que Lyonnais avait tous les vices. On a fait notre boulot. Ah, d'accord, je vais travailler. Et qu'il faut faire, il faut pas trop boulot, hein. C'est du propre, je vous le dis, moi. Oh, ce magnifique coucher de soleil avec les shaders. Splendide. Ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux rendus, c'est vrai. Moi, à une époque, j'avais testé un shader, c'était magique. J'avais le reflet de la lumière du soleil et de la lune de nuit sur l'eau. C'était beau. C'est beau. C'était beau, un des premiers shaders à l'époque qui faisait un rendu très beau avec peu de puissance de calcul. Parce que j'avais une carte graphique encore moins puissante que mon actuelle aujourd'hui. Ah, j'ai trouvé le village en question. On a fait notre boulot. La musique super américaine. J'ai localisé le village. America. Je sais, c'est où maintenant. Ouais, j'ai localisé. Géolocalisé. Génial. Avec Google. Je ferai du mieux que je peux. Il fera du mieux qu'il peut. Votre mission, chef, un petit. Décide à se confirmer. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu en français le jeu. Oh. Un petit chantier de construction. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu dans la compile tout à l'heure à midi, où il était encore en mode anglais. I'm just a peasant. I'm just a peasant. La nouvelle intersection. Hop. Je suis qu'un paysan. I'm just a peasant. Parenthèse vidéoludique, je me tourne vers Dragon de Lorraine. Tu t'es dépêtré de ta mauvaise vanne dans Final Fantasy, le coup des coffres, ou t'es toujours au point mort? Je crois que je suis pas encore dépêtré de le délire du coffre. Ah merde, ça a l'air d'être une sacrée énigme, ce machin. Et ouais. Pourtant, j'ai bien peau, j'ai tout fait, ce qu'ils ont fait, j'ai bien fait comme il faut les trucs, mais rien ne se passe. Une condition qui t'échappe, ou alors t'as eu le malheur d'avoir une partie buggée, ça peut arriver aussi. Sortez l'échafaudage. Un boulot pour moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Et il y avait soit la solution de créer de la nouvelle partie comme j'ai fait, avec le ça système de chiffrage de magie blanche. Ouais. Et dans cet ordre précis, 88, 97 et 90. Et ça... Ça, c'est la technique la plus chiante, parce que c'est jamais comme on veut. Et ça a failli presque la dernière fois, ça a failli marcher.
Et ça, la seconde technique, elle est vraiment ultra simple. Elle est, tout bonnement simple à faire. Donc voilà. Donc il faudrait que je la refasse. Faut que je refasse ça en coulisses, la technique. Ouais. Est-ce que tu aurais capturé une zone de truc moins cher? Non, là, je sais pas ce que j'ai fait. Comment ça, t'as revendiqué un Lidl? Le mec il surinterprète le propos. Le problème du truc, de la solution qu'ils m'ont distribué. Ah merde, il y a des bandits. Oh non, c'est pas vrai, ils sont costauds. Ah merde. Bah ils m'ont dit de quitter l'application. Oui, je m'en souviens, ça, tu l'avais dit en direct, Dragon. Ouais, le coup de quitter le jeu pour rebattre les cartes et reprovoquer la chance à la partie suivante. Donc c'est pour ça, vu que j'étais en direct, si je quitte l'application, ça coupe le live automatiquement. À moins que si j'aurais la PS5 branchée au PC, là oui, ça couperait pas le direct, donc ça va. Que je passerai par OBS. Et voilà, je suis en pleine concentration. Tu m'étonnes. Pas possible, comment ça, pas possible, au boulot. Ah, on était des mi-moyens, c'est vrai, j'avais zappé. Ah, je croyais qu'on était en facile, c'est pour ça que j'ai du mal. Surtout, Nayone ne déclare jamais un jour en jouant Command Conquer que t'es en forme, parce que là, je cliquerai sur difficile. On l'a déjà fait une fois, c'était horrible. On s'est fait laminer en 2 minutes chrono. Bah, disons que j'étais pas attendu à ce qui s'est passé. Je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Attends, alors, oui. Attends. Là, c'est la castagne, c'est la foire d'empoigne. C'est la castagne. On a fait notre boulot. Oh là 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 là. Ne me frappez pas. On devait trouver et détruire là. Oh la vache. Ah merde, j'ai plus la place pour le site. Rouge. Bon, il y a la thune qui rentre, donc c'est pas un souci. Par contre, j'ai investi tout dans les défenses et dans la guerre longue. Longue et acharnée. Restons sur nos gardes. Les tunnels nous protégeront. Tout l'ennemi n'est pas loin. Heureusement que j'ai plein de thunes qui pop parce que notre base est attaquée. Un petit chantier de construction. Ouais, au boulot les gars. Ah les troupes. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je. Non, tu vas là toi. Finesse. Il faudrait que je sois indépendant économiquement assez rapidement. Alors le radar stratégiquement c'est important, je vais en faire un. J'ai terminé avec ce chantier. Avec ce chantier. Ah d'accord, je vais travailler. Prochain truc, ce général, on attaque notre base. Il faut vraiment aller si loin. Vite, défoncez-moi, ça me coûte du fric. Non, passez par là. Oh putain, on peut pas passer par là. Il s'en va. Ça craint, ça sent le roussi, il s'en va. Yep. Par contre, le quad va mettre de la misère à mes infanteries. Si je me dépêche pas de tirer dessus à toute berzingue. Alors, véhicule radar numéro 0. Je vais planquer là, histoire qu'il se fasse pas abattre. Du moins en dernier. Vraiment à l'angle de la carte. Il y a d'autres trucs à faire? Bah oui, il y a du boulot à faire. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouh là là, l'aéroport. C'était sûr. Ah. Bon, je vais me reposer un petit peu ici. Tac, ici. Allez, ils m'ont détruit un véhicule, j'en construis 3. Ah non, mais c'est comme ça que je marche, moi. Toi, tu vas faire l'aéroport. Tu vas recommencer ce que je veux faire parce que c'est pas l'IA qui va me bloquer. Non. Il me reste combien en réserve? Ah oui, 23 000 $. Ça me laisse largement de la marge, pas du temps. Justement, le temps me manque.
Heureusement que Mayonnette concentre toute la... comment dire, t'occupes l'ennemi. Moi je suis peinard là en mode... L'agro l'ennemi comme on dirait, hein. J'agglomère l'ennemi. Oh. Pour investir dans l'autonomie financière, bah. Hein, que je fasse ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... J'avais un mouchoir tout à l'heure, je le vois plus. Lui a été tombé sur le champ de bataille. Excusez-moi, j'éternue. Oh, pardon, je vais couper le micro, je vais me moucher. Et j'ai mes hélicos, je suis plus, plus autonome. Je me rappelle, on avait parlé de Minecraft hier, et quelqu'un m'avait parlé d'un mode, je crois que c'est Twinsen qui me l'a trouvé, un mode où on pourrait faire ses propres tableaux en pixel art dans Minecraft. Je cherchais ça il y a longtemps, j'avais pas trouvé, et il y a peut-être enfin quelqu'un qui est parvenu à faire ça. Si le mode, enfin le greffon fonctionne, clairement c'est il bon. M'intéresse. Parce qu'à l'idée de pouvoir faire, entre guillemets, de la peinture dans Minecraft en mode pixel art... Et merde, j'avais pas vu. Ah merde. Qu'est-ce qu'il merde, y a merde, merde. Oh, ça castagne. Ils font le tour, les enfoirés. Et ils te contournent. Non oh, putain de merde. Pardon pour la grossièreté, mais... Je n'ai pas vu ça. J'ai eu 30 secondes d'inattention et j'ai eu le temps de raser ma base. Il n'y a pas d'impossible avec moi. Rien n'est impossible avec le général Mayonnais. Je te dis que c'est vraiment que c'est impossible. Ouh, je suis intéressé de l'option renforcer mes structures, moi. J'obéirai. Sinon, les contre-mesures, c'est pour qui, là, hein? Bonjour, c'est activé les contre-mesures, mais... Ouais. Ouais, je vais faire le marché noir, là. Ce soir, je regarde le... Ce soir, vers 19h, je regarde le Revol de Black Ops 6. Attends, c'est un jeu, le Revol Black Ops 6? La révolte, c'est-à-dire la révélation de Black Ops 6. Le reveal, oui. Révélation, oui. C'est-à-dire l'annonce mondiale. Ah, d'accord. Je ne comprenais plus. Ce soir à 19h, en direct sur YouTube. Oh, construit, voilà, merci. Brouillez. Déjà pour voir quelques images du jeu in-game, et puis enfin l'annonce de la date de sortie. D'accord. Voilà, je suis en protection. Je suis installé sur la map, là la thune elle tombe. Je vais m'installer. Oh, je passe, là en ce moment je suis en train de passer mon temps dans le métro. Parce que le problème, il n'y a pas de il n'y a pas de bloc barré ou de parce que ça va d'un point A à un point B. Oui. Mais il y a moyen. Que tu t'en rends pas là, c'était sûrement parti sur mes rails ou sur les rails du sage. Oui. Ah non, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Oui. T'as fait une connexion au réseau actuel? Attends, tu posais la question à Dragon, je posais. Ah, Dragon Sky, oui, pardon. Dragon Sky, t'as fait une connexion. Oh putain. Non, j'ai pas fait encore la connexion de rail, mais. D'accord. Et je suis même pas encore arrivé à ce fichu village. Parce que je l'ai croisé ce village, mais il y avait une brèche d'ouverture. Et donc, du coup, je me suis dit, si je passe par la brèche, ça serait pas mal. Y a pas de meilleur. Ça serait bien si je pouvais passer par la brèche. Mais attends, je suis revenu sur mes traces de Bella Sabla, c'est quoi ce délire? Mais... Direction, t'es tombé sur un panneau. Bah non, j'ai fait mon chemin inverse, et je suis revenu sur Bella Sabla. D'accord. Mais... T'as pas suivi les panneaux? Bah si, pourtant. Alors je me suis planté dans l'indication des panneaux, peut-être. Faut croire que oui. Pense. Alors, tu peux. Parce que j'ai. Parce que en. Parce que j'ai.
J'ai pris le bon chemin pour aller à la limite entre chez toi et le singe. Il y a l'intersection. Et dans cette intersection, je me suis dit, je vais peut-être m'arrêter avant parce que je vois qu'il y a une brèche de sortie, qu'il n'y a pas de vitre. Oui, ça c'est le village de, Couillère. Le village de Couillère, oui. Donc, si effectivement il y a ça qui est bréché dans le tunnel, c'est parce que je prévois de mettre en place une station. Une station, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'arrêter, sortir à cet endroit précis géographique. On ne peut pas vivre en paix. Donc là, quand tu arrives à l'auberge de Christella, tu as forcément un arrêt. Et c'est indiqué à gauche quand tu arrives depuis chez le sage, où ça te mène à Bella Salva. Tu es parti sur la gauche, tu as dû te planter, tu as dû perdre un peu le sens de l'orientation et tu es parti de mauvaise direction. Ouais, je pense à un moment donné, c'est ça, vrai. Parce que j'avais tout bien indiqué, j'ai marqué Bella Sabla. J'irai vérifier quand même. Parce que ça m'intrigue quand même que je sois trompé. Ouais, parce que même moi, je suis un peu intrigué parce que je me suis dit. Mais. Je vais réparer l'outil. Bon, attends, je vais supprimer leur ligne de ravitaillement. Je vais pas capturer. Je vais faire mon propre autonomie. Voilà, du coup, je vais pas me planter encore une seconde fois. Sinon, je vais reperdre encore du temps. Je vais reperdre encore dans les rails. Comment dire, je me suis planté dans les aiguillages. C'est peut-être ma faute parce que je me suis planté peut-être dans l'aiguillage. T'as dû te retourner deux fois, d'une fois et puis bim. Ça, c'est peut-être possible aussi que. Je vais rajouter des panneaux pour que ce soit clair. Je vais vraiment rajouter des panneaux. Ouais. Alors attends, quand tu dis rajouter des panneaux, il faut pas non plus noyer dans l'information du panneau. Qu'est-ce que vous me voulez ? Ou soit un mauvais aiguillage. Ouais. Mais s'assurer à ce qu'il y ait des panneaux à au moins toutes les intersections, oui, mais pas en placarder tous les murs non plus. Là, le chemin que j'ai repris, c'est pour aller. Placarder tous les murs. C'est pour aller chez Christella. Ouais. L'auberge des chevaliers, là. Yep. Le tunnel tombe. On n'a plus de réserve par ici. Parce que c'est pour ça que je me suis dit, mais attendez, je comprenais plus rien. J'étais un petit peu perdu. Je suis en mode quoi. Pour moi, c'était un peu la confusion. Il va mettre un peu de clarté dans les panneaux. Hein. Ouais. Ah non, c'est bon. Je crois que je prenais cher, mais c'est. J'ai ce qu'il faut pour protéger. Ah, les hélicos Comanche de l'armée des Américains, ils sont cool. Mais avec la particularité du général Air Force, oui. Tu peux les rendre invisibles. Et quand ils sont en mode invisible, ils sont furtifs, mais trop furtifs, du coup, ils défendent pas forcément bien la zone. Ah quand ouais. Tu mets le truc garde de la zone, ça sert à rien. C'est juste pour faire. Ça sert plus pour attaquer les joueurs humains. Parce que les joueurs bots, ils te détectent. Et puis c'est pas efficace pour protéger. Donc je le fais pas. Je le fais plus, puis c'est inefficace. D'accord. Si c'est ce que vous voulez. Attends, il me reste combien en réserve ? 13 000 et quelques. Et en plus, mon système de capture d'écran, de Minecraft normal, ça fonctionne, mais c'est toujours encore une fois de l'application photo qui merdouille. C'est un peu embêtant. Mais en plus, pour toi, quand je dois faire des captures d'écran, par exemple, sur certaines choses, par exemple pour afficher les soldes sur certains jeux ou des jeux gratuits, le bouton imprime d'écran, ça ne fonctionne pas. Le bouton sur le clavier, et pourtant il fonctionne. Il fonctionne comme il faut le clavier, donc je suis obligé d'ouvrir l'outil de capture d'écran
et faire une capture d'écran et prendre juste la partie partie de l'image et la sauvegarder. Là, je suis reparti pour 7 minutes de trajet. Oui, donc il faut savoir que la particularité de la fonction de toutes les généraux, c'est la fonction de défense. Quand tu poses une unité dans un endroit, elle va attaquer plus ou moins les unités qui s'approchent d'elle. Mais quand tu les mets en mode de garder, donc le bouclier protégé, tout ça, et ben ça va définir une zone, toute la zone définie par cette zone de surbrillance. Dès qu'une unité va pénétrer dans cette zone, ton unité va uniquement automatiquement attaquer cette unité et va revenir au centre une fois qu'il a fini, que l'unité est morte, que toutes les unités sont mortes. Et elle va attaquer aussi les bâtiments. Donc s'il y a un petit bâtiment sur le bord, ils vont automatiquement attaquer le bâtiment jusqu'à ce qu'il soit détruit. D'accord. Et ça, une zone plus de défense plus grande que... J'ai parlé trop vite. Allez les gars. Ouch. Les gars. Voilà, super. J'ai parlé trop vite, ça marche pas. Bon, c'est incompréhensible. Mais en tout cas, c'est une défense plus efficace que en mettant en mode stationnaire comme ça, sans aucune précision. Moi, je vais me faire une première division de blindés. 4 maraudeurs. Je vais les attaquer, c'est parti. Ah, un missile Scud. Je vais attaquer le missile Scud. Non, barrez-vous les gars, barrez-vous. Ah, ils sont soignés, eux. Ils sont en bord de garde, on est d'accord. Les quads, c'est vraiment une plaie face aux hélicoptères. Est-ce que j'ai capturé toutes les zones de ravitaillement? Ouais. Ça, on va le mettre au-dessus. On va lui donner un peu de bonus. L'approvisionnement avant tout. Ah, du coup, ça y est, je suis en route pour... pour la zone en question. Ah oui, mais c'est vrai, je peux descendre en bas. C'est difficile de descendre en haut, à moins que tu sois en étage supérieur. Par contre, là, il y a tant de réactions. Là, je suis arrivé. Non, je suis arrivé à l'auberge. Là, fais gaffe au panneau. Hein. C'est... À l'auberge de Christina. Ouais. Donc regarde bien les panneaux s'il n'y a pas une montre. Je les aventuriers là. J'espère que ça roule. Ouais. Oui, t'inquiète pas, maintenant j'ai fait attention aux panneaux. Hein. Ouais, ouais. Que je me trompe. Par contre, il y a des creepers partout, ça craint. Et en plus, il fait jour. Je comprends pas, il fait jour et il y a plein de creepers partout. Les tunnels nous protégeront. Ouais. Bon, ils vont peut-être se dépop, à mon avis, je pense. Ne me frappez pas. Ils vont disparaître. Ce marteau est trop lourd. Soyez prudents. L'ennemi a construit un site scud. Je vais le défoncer. Oh, oh. Ça va piquer. Non, je voulais pas faire ça. Oh merde, je me suis planté. Oh, c'est pas vrai. Je peux plus les améliorer. Merde. Faut que j'en fasse 10. J'ai cliqué trop vite. Alors, ça, c'est ma stratégie dans cette partie. C'est d'attaquer l'ennemi et de l'éprouver à l'usure avec des camions bourrés d'explosifs. C'était un sacré boulot. Oh vache. Ouais. Oui. Il va être 5h, il va être bientôt 5h, du coup il va falloir que je commence à remballer mes affaires tout doucement. Est-ce que tu t'occupais du missile Scud, le sage ou pas?
Je ne l'ai même pas localisé. Attends. Le truc est là. Ah, je pourrais lui envoyer un cortège de camions bourrés d'explosifs. J'ai une livraison. Ouais. Oh merde, ils sont morts. Non, non, mais faut bouger, les gars. Putain. Vous faites tirer dessus, là. Oh, quelle bande de... Ils sont tirés comme des lapins. Mais pourquoi ils l'attaquent pas? Putain. Alors, oh la vache. Ils ne verront pas la différence. Voilà. Le camion devient un tracteur. Oh, c'est horrible. Donc bon. Vous êtes en mode défense. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je suis passé mon camion blindé pour un tracteur. Du coup, là, je vais un petit peu à la beuglette chercher le village en question. Pour que l'endroit en question que je veux m'installer, je précise. C'est un bon déguisement. Comme ça, je donne les coordonnées exactes. C'est mon seul but. C-404 chargé. Pour valider l'emplacement. Je vois. Alors, peut-être... Canon explosif suivant. Alors, s'il y a des citrouilles, c'est que je suis pas très loin. Oh, ça va marcher, je crois. Oh! Non, il y a plein de... Aucune résistance. J'ai atteint ma cible, c'est horrible. Mais il est pas mort. Non, mais je l'éprouve. Et si j'en enchaîne plusieurs à la suite, excuse-moi, mais ça va lui coûter cher. Il est pété au tiers, ouais. Ça va lui coûter cher. Non, mais sérieux? Déguisé en tracteur, il m'a pas vu venir. Regarde, un deuxième arrive. C'est horrible. Ma technique, elle marche. Et c'est une IA moyenne. Hop là. Pouf. Comment tu ruses avec le... Avec le tracteur. Ouais, et ben, je t'avouerais que je m'attendais pas à un tel résultat. Je m'attendais à ce qu'il s'oppose à mon tracteur qui tire dessus en disant « C'est véhicule non autorisé dans la zone militaire », mais non. Il reste inerte. J'envoie un message d'enlèvement. C'est fou quand même. J'ai une zone sortie, donc celle-là. D'accord, mais c'est encore pas loin que ça. Pour la GLA. Là, son 6-4, je suis désolé, mais il va le perdre. C-404 chargé. Ça fait un joli. Mais c'est con, depuis tout à l'heure, mais il n'y arrive pas. Je mets des bombardements réguliers. Ouf. J'ai mis un petit drone en hauteur. Oh là là, j'ai entendu un Enderman faire des téléportations. Je l'ai entendu. Ça fait flipper. Ah ouais. Je me suis dit, ah non, hein. J'ai dit non, hein. Je suis en pleine exploration. À chercher la localisation exacte, j'ai pas envie de mourir maintenant. C'est mon seul but. On gêne pour mourir, non? Wouah, j'envoie l'explosif contre leur chantier. Ils essaient de reconstruire le site Scud, les malheureux. Ils vont rien comprendre. Oh, la thune que va perdre l'ennemi. Et boum! Ah, plus rien. Les Scuds sont pas prêts de revenir, je te le dis, moi. J'ai une livraison. Mon, ça marche même trop bien. Incroyable. Mon avantage tactique est certain, Nayones, c'est type à beau. Ouais, attends. C-404 chargé. Un petit radar ici, un petit drone radar ici. Tic tic tic. Est-ce que je vais arriver en vie au village ou pas? Oula. Le fameux village que j'ai revendiqué. Quoi? Il recommence la construction d'un Siscud? Non mais il déconne. Comment est-ce possible, Dilos? Je suis pas responsable de la casse. Je suis pas responsable de la casse, cette réplique. Ouais, je suis arrivé. Ouais. Youpi. Mais bon, par contre, pour descendre là, c'est un peu technique. C-404 chargé. Mais bon. Ça va aller. Ça va le faire. Aucun aérien en route. Ça marche à tous les coups, mais vous êtes sérieux, les gens? Chargé et paré. Voilà. Le troubadour. Le villageois. Voilà, ça y est, je suis arrivé pile au centre de ce que je veux. Pêcher la balle au centre. Allez, je vous donne la, lo-
la localisation exacte, du coup je recorrige mes données. Ok. Tu fais bien, Dragon. Je l'envoie en NP chez Nayone. Chez le sage. Ouais, chez le sage aussi. Oui, on peut décharger Nayone de. L'ennemi a construit un site. Ah merde! Alors à toi de t'occuper du jaune, Nayone, là, pour le 6 Scud, hein. Je peux pas être partout. Oui, je vais faire. Oui, je vais le faire. Oui, j'ai cru que t'allais me faire la même voix que dans le dans le jeu. Oui, faut pas c'est m'énerver. Je vais m'occuper du truc, mais ça va être vite fait, tu vois. Désolé, pas de numéro. Camion piégé, des pouvoirs des généraux, franchement, c'est les bombardiers, les avions, les trucs, les machins. À fond la caisse. Alors, allez, c'est. Côté, garçon, c'est tellement ah non, c'est la caserne. Oh rotor à fond. Big Raptor, pareil au décollage. La caserne. Ah bah, tu m'étonnes. Chargé et paré. C-404 armé. J'ai déguisé mon véhicule. Ils ne verront pas la différence. Voilà, je me suis débarrassé de cette gueule. Ils ont reconstruit à nouveau, hein. Ils sont chauds comme des barres, ils sont chauds comme des barreaux. Ouais. Service des postes de la GLA, C-404 armé. J'ai déguisé mon véhicule. C'est un bon déguisement. Transport en cours, C-404 chargé. Ouais, des avions de chasse, c'est parti, les raptors sont partis au combat. Sauf erreur de ma part, tu te fais abattre tes chinooks là. C'est pas grave. Sur le front. C'est foutu, c'est voulu. C'est foutu. C'est voulu. Ah, c'est un aveu d'échec. C'est foutu. Excellent. Ah, j'ai adoré. Aïe. Eh ben, on en fait des beaux, les généraux, je te le dis, moi. Camion piégé, prêt à intervenir. Je suis pas responsable de la casse. Allez, hop, c'est parti pour intervenir. Oui, c'est XYZ d'abord. Punaise, oui. J'envoie un message d'enlèvement. Ah, en plus, le villageois, il me pousse depuis tout à l'heure. C'est un coquinou, Dragon. Il te fait du rendez-vous. Du coup, je vais me mettre là. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Il me pousse pas. Si vous me poussez pas, les gars, c'est très bien. Me poussez pas. Ben ça, je fais le cri draconique dans Skyrim, carrément, je l'ai fait voler. Camion piégé, prêt à intervenir. Je suis pas convaincu par les avions, ils sont pas très efficaces. Mm-hmm. À quel véhicule dois-je ressembler? Une éveillante du feu, C-404 armé. Ah zut, ça l'a pas détruit. Bon bah tant pis. C-404, j'ai une livraison. Tant pis, c'est pas grave. Je vais faire le truc classique contre la GLA. Les hélicos. Ouch, merde, alors là j'ai pu avoir de thunes, attention. Niveau indépendance financière, ça a piqué un peu. Sortez l'échafaudage, impossible. Quoi? Désolé, pas de numéro. C-404, quel véhicule doit être? Ils ne verront pas la différence. Ah. Service des postes de la GLA. Allons prêts à faire feu. Oui, t'imagines les terroristes qui sont leur promotion, tu sais, service de la poste de la GLA, le service numéro 1 des colis piégés dans le monde. Oh, c'est horrible. Aïe. Ça va chauffer. Je suis entraîné. Ça c'est Je vais faire de la sieste. Hop. Et la nuit est passée tellement vite dans ce jeu. Canon latéraux, prêt à faire feu. Heureux. Heureux. Je suis pas responsable de la casse. C'est mon seul but. Attends que les rêves que je qu'on ne porte pas sur le point de demi-heure. Désolé, pas de numéro. Voilà. Big Raptor, paré au décollage. Voilà, je vous envoie les coordonnées pour revendiquer. Cool. Bien joué, Dragon. C'est précisément en plus ça. Camion piégé, prêt à intervenir.
J'envoie un message d'enlèvement. Pourquoi j'ai 50 casernes, mais je comprends pas. Chargé et paré. C-404, quel véhicule dois-je rassembler? Je ne fais plus que ça, c'est incroyable, ça fonctionne à merveille. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? T'es mort. Ah les salauds. Merde. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais il a perdu son camouflage, ou alors j'ai oublié de le faire. Et je me suis fait connement repérer. Mais c'est une blague. L'ennemi a construit un site-scud. Les anges, you got inventory back. Camion qui est prêt à intervenir. J'ai une livraison. Je vais déguiser mon véhicule. Non, mais c'est vraiment abusé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Je annonce pour revendiquer mon village. Désolé, pas de numéro. Je me repose une petite nuit. Je sors de la baraque, paf, un creeper dans la gueule. Ah oui, c'est violent. Faut éclairer. Ouais, ouais, mais fais-toi. Fais-toi un peu plus large autour de ta baraque une un muret éclairé aux angles au moins. C'est un village de villageois hein, en même temps. Oui, mais bon. C'est quand même dingue que le creeper il est venu comme ça faire paf. Et bonjour, c'est le facteur. Le facteur de la G est là. Le facteur kamikaze, voilà. Mais ça, c'est horrible. Horrible. Oh là là, le monde merveilleux du jeu vidéo. Ça commence bien déjà. Ah oh oui, oui. C-404 chargé. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, allez les gars, vous êtes en droit de faire 40 milliards de marchés. Je vais tâcher de faire vite. J'ai très faim. Pour moi. Je serai indépendant financièrement. J'achète des parties de fou. Je ferai ce que je dois faire. Pas non plus. Camion piégé prêt à intervenir. J'ai une livraison. Alors, quel véhicule doit-je devenir le tracteur habituel? Ils ne verront pas la différence. Et si je peux mettre un détecteur? Normalement, ils ne voient pas. Ça, ils ne m'ont pas vu. Si pas salut, mais il y a toute une ligne de drones au nord. Ah, hein. Désolé, pas de numéro. Ah, je peux faire ça aussi. Ah merde. J'ai perdu 3 barres d'expérience. Hein. J'étais niveau 8, je suis passé à 5. Ouch. À cause du cœur. Ah, mais une fois que tu seras installé, ça va le faire. Ouais, ouais. Bah là, je me suis installé déjà, voilà. Ça y est, ça, non, mais ça compte. Bah oui, mais complètement installé, c'est-à-dire des sécurités, des machins, des toiles de défense. Non, c'est pas le commandant de conquérant général. Pour le moment, oui, pour le moment, c'est pas encore sécurisé, mais à l'avenir, ça va être sécurisé. Mais voilà. Après, si j'ai bon. Après, toute aide est la bienvenue aussi. Eh bah, aux zones communautaires, t'as des ressources? Oui. Je sais pas, j'ai fait tomber quoi? J'ai entendu un gros bombe. Non, pas de bombe. Non, pas, mais pas dans le jeu, mais viriel, j'ai tombé un truc, je sais pas c'est quoi. Oui, bon, c'est pas tes voisins, peut-être. On a fait notre boulot. Soyez prudents, l'ennemi a construit un site scud. On a fait notre boulot. Allez, canon latéraux prêt à faire feu. Embarquons quelques soldats. Je vais un petit peu les mauvaises herbes, mais je garde les belles fleurs. Comme ça, moi, ça fait plus joli. Qui doit signer le bon? Je pars en reconnaissance. Je vois tout pour qu'il ne voit rien. Taïnouk de combat. Hélico au rapport. Ah, oh, on n'est pas bien là, relax, entre copains, ça fait du bien. Est-ce que tu fais péter le missile scud ou pas? Ou s'il n'y a pas d'urgence? Bah, pour le moment, moi j'en suis à l'entamer à usure avec mes camions piégés, et il va finir par péter avant le décompte, donc je m'en fais pas trop. Mon rythme est très bon. Merde! J'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai fait exploser le truc sur place. Oh oh.
Alors, je révise mon propos, Nayonet. Je ne suis plus dans le rythme, mais peut-être que le drame va se produire. Au lieu de lui demander de se camoufler, j'ai demandé l'explosion instantanée du camion. Mais chez moi. J'ai une livraison. Oh, ah ouais, super. Non, ah, mais je vais préparer un coup de maître. Attends, je vais cumuler, prendre le risque de cumuler quelques camions et je vais pas les envoyer les uns derrière les autres, mais tous en même temps. Enfin, presque. Parce qu'il faut vraiment qu'ils pètent bien. Mais de manière à ce qu'ils puissent pas se relever. J'ai réussi à faire de la poudre d'os dans les fameux bacs. Parce que j'ai une espèce de mini ferme avec. À quel véhicule dois-je ressembler ? Dans les bacs, c'est à fumoir. J'ai réussi à faire de la poudre d'os. Ah oui, les composteurs. Ah ouais. Je comprenais plus l'espèce de fumoir. Du coup, il parle. Parce que le fumoir existe dans Minecraft. Je veux dire composteur. Parce que tu peux effectivement transformer des aliments grâce à un fumoir et obtenir des trucs un peu différents de la cuisson habituelle. Mais oui, les composteurs, exact. Oui, c'est vrai que ça existe, ça aussi. Je répile à l'heure. Ouais. On peut tirer par les fenêtres. Ça marche. Pas de problème. Camion piégé, prêt à intervenir. J'envoie un message d'enlèvement. Je vais déguiser mon véhicule. C'est un bon. Avec les pléthores d'hélicoptères que j'adore, là. Contre la GLA, ils peuvent rien faire. Chargé et paré. C-404 chargé. Oui, il y a des jolies coulées de lave en plus, pas très loin, donc. Je vais pas m'amuser à faire les dieux avec la lave. Ouais, ce serait con de perdre des outils en diamant. Ouais. Embarquons quelques soldats. Bah ça veut dire j'ai des pieuvres pas très loin. Je suis pas responsable. Pour l'approvisionnement avant tout. De l'encre. Allez, contrôle 8 et j'y vais. Et je vais envoyer ces gars, les bonhommes. L'encre noire. J'ai une livraison. À quel véhicule? L'encre noire ou l'encre lumineuse, parce que ça peut avoir aussi les deux sortes de pieuvres. Ouais, c'est regarde vrai. Le singe. Mon armée d'hélico qui approche de la base ennemie orange. Oh. Regarde comment c'est efficace. Rien n'arrête le courrier. Ouch. Ils sont équipés de lance-roquettes et de snipers. Oh la vache! Mais je connais pas cette version du chino. Tu les as grandement améliorés, ces chinois. Et en plus, ils ont des missiles anti-missiles. Oh la vache, les engins de mort, toi. Ouais, faut peut-être qu'on plus sec, là, j'ai là en face, ils sont morts. Wouah! Redoutable, cette escadron. Je mets tranquillement au-dessus de... Au-dessus des... Je mets carrément au-dessus des... C'est bonhomme et au-dessus des défenses lance-missiles, ils font rien. Et la GLA peut rien faire face. Tous les camps de la GLA sont bien. Une fois que t'as fait ça, c'est terminé. C'est une exclusivité du général américain de l'armée de l'air. Oui, qui est la nique à. Par contre, les quads, ils font quand même mal. Les quads peuvent résister. En remarque, avec des quads, tu peux résister, mais les quads sont pas très costauds. Waouh, bravo! Désolé, pas de numéro. Aïe! Service des postes de la GLA. J'ai une livraison. Désolé, pas de numéro. C'est mon seul but. Montrez dans ce qu'on a, contact établi. Ah, je vais réinitialiser le compte à rebours du site SCAD ennemi. Je vais m'en occuper. Lance-moi. Ah, vous c'est tu l'as fait. Galon. C'est ouais. Bon. Nickel. Voilà. Par contre, les quads ils font mal. Hein. Je vais perdre un ennemi. Bon. Ce que j'ai. Je suis acheté les chez eux. J'ai perdu deux hélicos. Le guerrier est tombé. Notre base est attaquée. Et quand il y a des snipers à bord des hélicos, bah tout ce qui tire avec des transport en cours, des infanteries,
Ils sont morts. Je suis dans le petit village. Le petit village. Tiens, du missile. Le petit village. Le petit village. Là, quand je m'approche d'un site Scud, les hélicoptères avec les snipers dedans, c'est un one shot et ils sont morts. Ah, t'as une armée d'infanterie. Classique. Merci Nayone, grâce à toi on va être à l'heure pour Broforce. Ouais. Contact établi. Massive ici, lancer un tapis. Nos foyers sont en danger. Ah bon. Par contre, c'est pas en mode attaque permanente. Si... Ah voilà, on a battu le. J'ai quelque chose pour eux. Autant que l'avion approche. Je me mets un petit peu d'arbre dans le secteur, comme ça, j'ai, ça éclaire bien les villages. On a gagné. C'est bizarre que la victoire ait pas été déclarée. Et encore du monde. Je pense qu'ici il y a des trucs. Bah là il y a un dôme bleu de la GLA. Un guerrier est tombé. Ils construisent un truc. Ah oui, en route. C'est une stratégie de repli de la part de l'ennemi ou c'est moi qui interprète mal ce qui se passe? Notre base est en péril. Non, ils construisent quelque chose. L'ennemi bleu est pas mort. Bah, c'est bizarre, on croit qu'on l'avait tué. Non, il est en train de construire là. Il y a un Rocketman chez toi. Oh. Oui, et bah, pourquoi t'attaques pas la structure, Nayane? Je peux pas. Ah ça bon marche pas. Bah, ah, ça marche. Ça marche. Bien. C'est bon, on les a vus. Pourtant, c'était une défense. C'est censé abandonner quand. Une défense. Nous sommes victorieux. Voilà! Good game. GG. Route bâtiment détruit. Le système de pointage, comme diraient les Canadiens, Québécois. Système de pointage. Qu'on voit. Ah bah c'était bien Mickey, on va passer à Broforce. Ouais, bah finalement ça marche, on va à 3 si ça marche la prochaine fois qu'on y jouera. C'est voilà, là ça me fait la mise à jour du truc. Ça me colle la fenêtre, si je partage mon écran, c'est marqué une fenêtre de console qui fait des mises à jour. Et voilà. Et moi il s'est rien passé de mon côté. Donc peut-être que ça l'a déjà fait une fois. Et... que je n'ai pas. T'as pas souvenir dans une config précédente de leur avoir dit faire la mise à jour après à la sortie du programme au lieu que pendant ou avant? Non. C'est bizarre ton histoire quand même. Attends, je vais te faire un imprimé écran de la truc en question. Si tu veux, mais ouais. Je pense pas que ça apporte quelque chose de plus.